Allez, je vous souhaite à toutes et tous une excellente game, bien sûr. Bonne game à vous. Yes, je suis con, mais ça régale. En vrai, j'aime bien. Ok, je suis avec Reguman. Quoi? C'est quoi ce problème de DOS là? Vous avez foutu quoi avec les DOS, les gars? Vous avez. Ok, vous avez mal placé. Ok, je pense ça. Les gars, vous avez foutu quoi avec les DOS? Il en manque partout là! Putain. Mais c'est pas sur la table quoi, c'est ingérable. De bras cassés quoi. Ça va, ils ont pas laissé trop d'habits par terre, c'est pire d'habitude. Elle va me tuer là, c'est ça? C'est quoi la quête en fait? Ah non, c'est le... Attends quoi? Je crois... Oh, la photo de dingue. Vas-y, on les met toutes. Ah non, me saoulez pas, quoi? J'attends, oui. Oui, oui, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Merci beaucoup, DemZQT pour le Prime, Doug pour le Prime, Max Grod pour le deuxième mois. Merci à vous. Voilà. Quoi, encore? C'est quoi la quête, en fait? Qu'est-ce que vous voulez que je foute avec ça? Ah, que j'allais les accrocher là-bas. Ah oui, pardon. Attends. Ah, mais c'est... Merci, Asterion. Alors, Vivant, raconte-nous. Alors, écoute, c'est sympa. Hein. Pour l'instant, ouais, j'ai fait les coms, j'ai un peu galéré, mais sympa. D'accord. Alors, ah là, mais par contre, c'est horrible. Vous avez report le corps pendant que j'étais dehors faire une petite mission avec le téléphone, là. Et du coup, j'ai le bruit de l'avion. Ah oui, c'est vrai. Ouais, il faut couper la musique, moi aussi, j'ai le bruit. Juste qu'il a laissé des DOS sur la table de la bibliothèque, c'est un sup, les gars. Attends, juste, Rive, très rapidement, le corps est où? Le corps? C'est quel corps déjà? JDG ou Rigman? Mais il sait pas lui-même parce qu'il a auto-report. C'est Reguman. C'est Guy Reguman. Et tu l'as tué où, Riff? C'est trop chiant. Attends, bah non, mais en vrai, vraie question. Moi aussi, ça m'intéresse. Parce que le corps. Alors, attendez, ouais. Le corps, je reprends juste. Oui, security, parce que je suis security du coup. Ok, c'est bon, c'est validé parce que j'ai vu aussi un report de. Enfin, j'ai vu le corps security, je voulais savoir si c'était bien celui-là dont on parlait. Et t'es sûr, Riff, que t'étais security? Oui. T'as croisé qui juste avant? Ça va, Riff? Ça va, mec? Non, mais j'ai vu Security, mais non, mais j'ai juste vu. Ça va, Riff? Tu veux du vitriol? La lourdeur! C'est extrêmement relou, là, il est sur mes côtes depuis 3 games, l'enfer! L'angoisse du gars, genre. Allez, je vois au trip, moi. Le corps et Security. C'est trop chiant, putain. Mais non, j'ai juste vu le corps Security. En fait, le truc, c'est que je vous ai quitté à Com et j'ai croisé personne jusqu'à trouver le corps à Security. Mais t'es allé en Touchouze, quoi, c'est loin, non? Non, en vrai, je l'ai vu. Non, je l'ai ça vu. Va. Pour le coup, Rivenzy, je l'ai vu passer devant Com en mode balèque parce que je pense qu'il y avait plein de monde. Il y avait un million. Vous étiez plein de monde, donc je suis redescendu, mais moi, je suis pas passé par le même truc que lui. Je suis allé par Kitchen et lui, je pense qu'il est passé par dessus. Et là, Security, j'ai vu le corps avant de pouvoir le report. J'ai vu le corps de Reguman. Donc sur ça, c'est faisable. Après, est-ce qu'il l'a tué ou pas, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qu'il a fait, c'est. Le truc, c'est que c'est ça. En fait, je suis resté beaucoup en haut à gauche de la carte, et ensuite, je suis descendu et j'ai vu le corps là parce qu'il y avait beaucoup de monde qui était communication. Il me semble qu'il y avait. Il y avait Domingo, Zulu, moi. Voilà, Zulu, Xari que j'ai vu. Xari qui est passé. Moi, je suis juste passé. Où ça? À communication. Donc ça peut être Ponce. Ultia aussi, je sais pas si je t'ai vu à la communication. Moi, je peux vous dire ce que j'ai fait si jamais vous êtes intéressé par mon parcours, mais je ne suis pas à la communication une seule fois. Moi, j'ai commencé au niveau de la bibliothèque avec justement Reguman, qui venait d'être tueur, et donc j'avais peur parce qu'il m'avait tué à la game précédente. Et on a commencé à la bibliothèque, j'ai rangé un petit peu tous les différents dos que vous avez laissés sur la table, ça saoule un peu, j'avoue, mais tranquille. Après, je suis descendu pas très loin de là où il y a la salle de bain et tout, j'ai croisé Ultia à cet endroit-là qui peut confirmer. Là, j'ai commencé à faire la quête des photos, et en fait, je faisais la quête des photos dans la salle de bain parce que le mur permet quand même de faire la quête de l'autre côté, mais j'avais pas compris que j'étais de l'autre côté. Bref, là je suis revenu dans la salle pour les photos et boum, ça buzz. Voilà, j'ai fait que ça. Après, il y a un monde pour le coup où comment dire, je vois que Xari remonter c'est de Armory vers communication et où c'est lui qui a tué dans cette zone là, quoi. Enfin, vu qu'il y avait personne en bas à droite. Oui, moi je suis en effet, j'ai passé toute la game au cam. Donc je suis allé au cam, j'ai en effet vu, j'ai vu Zulu qui était engine room, je crois, à un moment pour faire tout au début. Et après, j'ai vu Ponce dans la bibliothèque, et après, je suis monté, j'ai vu qu'il y avait tout le monde au com, je suis redescendu. Donc, T'as vu Ponce dans la bibliothèque? Mais attends, est-ce que c'est le fait que je redescende qui m'a fait. Enfin, qui t'a fait revenir vers moi aussi? Ah non, je voulais juste retourner au com, moi.
Ok, ok. C'est tout. Vite, d'accord, très bien. Hop, et ça reprend, on est tous là. Et merci beaucoup à Julie qui a pris un abonnement de niveau 2 avec 3 mois d'avance. La confiance règne. Merci beaucoup. Alors, cette fameuse quête. Donc ça, c'est 2. Ça, c'est 3. Ça, c'est 6. Ça, c'est 5. Let's go. Hop, une petite run de Breath of the Wild. En termes de temps, c'est à peu près la même chose. Voilà. 1, du coup, il y avait 2-3 là-bas. Et t'as 14 fois le temps d'être tué, c'est un enfer. 2. Hein. 3. Je vais peut-être aller faire ça quand même. Je vais peut-être aller faire ça. Au moins pour aider quand même l'ensemble de l'équipage. C'est pas là. Cette quête de mort. Cette quête de l'enfer des photos là. Bon, ça a été fait. C'est quoi ce chemin? Attendez, il faut que je comprenne ces histoires de photos là. Ah, Bagheera qui. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais c'est complété. Ok. Autant vous dire que je suis assez chaud en termes de compréhension ici. 1, 2. Merde, je suis à combien? J'ai pas retenu ce que j'ai fait. C'est une catastrophe! 5, 6, ouais. 5, 6, PA qui revient d'ici, ouais. Ouais, 4, 5, 6, on a. 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 7. J'ai fait 3? Sérieux? Il faut que je vais faire 4, hein. Attends, mais j'ai vraiment. Mais attends, mais il était où du coup? Ah, mais en plus, je suis bête, c'est écrit sur le côté. Oui, j'avais oublié que c'était. Il y avait les lumières sur le côté, bien sûr. Waouh! C'est une dingue. Ah il, oui. Il s'est juste passé une dingue à l'instant. la dernière fois que j'ai vu Gomar, elle était avec suivie de Bagheera. Ouais, bah je l'ai vu effectivement. Et du coup toi, tu l'as laissé avec qui? Je l'ai laissé seul à Cargo B. Cargo B. Tout à droite. Ok. Mais attendez, parce que. Bah, du coup, ça veut dire qu'elle est probablement morte ici. C'est ça, Domi? Je pense, ouais. Ouais, moi, c'est pas elle. C'est Xari que j'ai report. Moi, j'étais Electrical. Bah, j'étais avec toi là-haut, il tient un moment. Mm-hmm. Je suis allé Electrical, j'ai vu Pompon, j'ai fait ma quête. Et je me suis dit, tiens, je vais check les Vitals. Et j'ai vu juste avant les coms, 3 morts. Donc, il y était les 3 personnes, je pense. Non, il y a eu 4 kills là. Ah, c'est où Vitals d'ailleurs? Vitals, c'est médical, c'est à droite d'Electrical. Et Vitals, c'est à droite d'Electrical, ok. C'est médic dans la petite pièce. Ok, ok. Et du coup, je repasse par Electrical, je croise Ponce qui s'en va de sécurité et il y a Xari au sol. Donc c'est vrai que l'aller-retour. En fait, de base, j'ai croisé Ponce et je me suis dit, putain, c'est chelou, il est pas allé à Com. Et juste après, en entrant en sécurité, donc devant les câbles, il y avait Xav au sol. Comme il n'y avait personne, j'y étais. Il n'y avait personne à Com. Non, non, mec, en gros, tu m'as croisé dans Electrical plusieurs fois parce qu'en fait, je fais la quête des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et que du coup, bah, je fais des allers-retours parce que je savais plus où était le machin. Et que quand il y a eu l'appel des coms, j'ai lâché. Donc j'ai fait genre 1, 2 ou 1, 2, 3, je sais plus. Il y a eu les coms, je suis parti. Pendant que je partais pour aller aux coms, ça a été remis entre temps. Je suis revenu et j'ai continué ma quête. T'es revenu par sécurité, alors, d'accord. Je crois les coms n'ont pas été. Les si, elles ont été remis, si, si. Ah, si, certain. Bah du coup, Rive. J'y suis, il y a personne. Ah bah ça a été remis, frérot, c'est, non, j'en suis sûr et certain. Moi, ça clignote encore. Ah non, moi, ça clignote encore. Ça clignote. Bah moi aussi, je vois que ça clignote, mais je vois les quêtes sur ma map. Ah bah non, ok. Bon. Non mais en fait tu peux continuer à faire les quêtes, mais moi Ponce en fait le truc c'est que vraiment la sécurité, je pense le kill, soit il vient de faire le kill, alors, je crois qu'il y avait que 3 morts et là il y en a 4. Vraiment je vais pas te mentir que j'aurais eu le temps de te tuer plein de fois si c'était vraiment moi le tueur, où on s'est croisé et tu me vois traîner autour d'Electrical 15 ans, où tu sais que la quête elle dure 15 ans, où entre temps il y a mais eu... Mais ça c'est legit, mais vraiment tu pars de sécurité... Mais tu sais que sécurité, je sais même pas où c'est, je suis pas rentré dans sécurité vraiment, moi je suis juste sorti d'Electrical un peu à gauche. Vers c'est la ça, sécurité. C'est sécurité. Ouais. Bah, c'est pile à l'entrée de cette pièce où il y a le corps. Aïe. Ah ouais. À l'entrée de. À l'entrée vraiment au niveau des cams. Donc je te. Sur la droite. En vrai, tu vois, je savais même pas, mais il y a peut-être des vents par là, mais je n'ai absolument rien fait. Moi, je fais ma petite quête Electrical en bas au calme. Il y a comme, j'essaye d'aller voir. Finalement, comme les flèches s'enlèvent, je repars, je retourne à Electrical. Comme juste, c'est le côté de, entre guillemets, genre, t'aurais dû report, t'aurais dû le voir. Ah, moi, j'ai rien vu du tout. Ou alors, est-ce que c'est pas PA qui. Mais moi, la question dans le collimateur et qui. Après, moi, PA, je me suis retrouvé avec par Cargo B. Non, je suis passé, j'ai fait tout droit, j'ai fait gap room, records, douche, main hall où tu te douchais, je crois d'ailleurs. Et je suis descendu Electrical où j'avais ma petite quête. Moi, je vais voter Ponce parce que j'ai pas d'autres idées. C'est simple, ils sont encore
Ils sont encore deux, non? Bah, si vous votez moi, vous perdez. Pas un mec, c'est fini. Bah vous perdez. Je pense que... Non, non, vraiment, je te jure que non, il faut pas faire ça. Bah je vote PA du coup parce que je sais que c'est pas moi. Mais je suis pas sûr que ce soit PA. Pour moi, c'est pas PA. Bah du coup, c'est. Bah non, mais non, mais non, mais non. Il faut voter, hein, c'est vrai qu'il faut pas. On aurait dû voter, Rive. Du coup. Qui? Rive. Mais du coup, attendez. Ça peut être que toi, Rivency. Et c'est toi, la 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 la. C'était moi, tout à fait. Bien joué, Maguera. Très très efficace, encore une fois. Et vous avez kill quand, Zary? C'était une belle game. Moi, je l'ai kill il y a un moment, Zary. Donc t'avais bien kill tu avais totalement raison, ouais, elle m'a bien tué. Dommage. Ouais, les gars, j'avais tout analysé. En fait, je l'ai vu au cam, du coup, je me suis dit, allez sur le chemin. Est-ce que vous voulez changer de room ou pas? Parce que c'est vrai que j'étais au moins trois fois d'affilée. Non, parce que vu les galères de serveur. On préfère pas faire que ce soit le même impôt plutôt que de juste pas jouer. Putain, des autres, du coup, mais c'est vrai que c'est le truc où t'as une seule info. Bah, surtout que je pense que j'aurais vécu la même chose que toi, j'aurais pensé à la même chose, tu vois, mais le truc bizarre, c'est que en gros, moi j'étais quasiment sûr que c'était pas toi parce que quand on s'est croisé plusieurs fois à l'électricole, tu m'as pas tué et t'as fini par report un truc. Et donc ça m'aurait étonné d'avoir un self report, mais vu que c'était pas toi et que tu m'accusais moi et que je savais que c'était pas moi, bah du coup ça pouvait être. Comme je t'ai vu partir, en fait, moi j'étais juste, je suis descendu, je t'ai vu partir à gauche. Ouais, ouais. Je suis parti, non, mais c'est legit en vrai. J'ouvre, je vois qu'il y a trois morts. Je vais à gauche, te recroise. Trois morts. Pas pour com, mais il y a le cadavre. Alors apparemment, tout le monde me dit que je suis effectivement pas allé à sécurité. Je suis même pas passé par sécurité apparemment. Ah, mais je connais pas la map, j'avoue, j'ai pas fait gaffe. J'ai du mal à identifier les trucs encore. Ouais. Moi, j'ai la map toujours sur le côté. Je me disais que cette map, ça serait une map qui serait super pour le proximity mode, pour le coup. Ouais, c'est vrai. Oui, ouais, ça peut être grand, tu vois. À la prochaine fois qu'on se fait une soirée, il faudra. Prochaine fois. Je pense qu'on teste. On connaîtra un peu mieux la map. S'ils ouvrent les lobbies, je pense que c'est peut-être une. Mais attends, mais ça, c'est une rumeur. Pour moi, j'ai juste entendu DFG en parler. Vous avez vu ça de façon. Ah non, mais c'est validé dans le sens où. Concrètement, je crois. Enfin, je te dis pas les mêmes, mais sur leur blog, ils disent serveur jusqu'à 15, quoi. C'est genre un des trucs de la match, quoi. C'est bien ça. Ça va être bien pour se rejoindre là. Bigger lobbies up to 15 players. Ah, nice. Putain, ça va être cool ça. C'est pas mal, ouais. Allez, je relance. Non, mais c'est vrai que là, c'est une map pour le proximity, j'ai l'impression. Bonne oui, chance. Effectivement. Allez, bonne chance, amusez-vous bien. Ça serait bien qu'il intègre le proximity quand même, pour que ça soit plus simple. C'est moi, c'est moi. Let's go avec Gomar, let's go. Merci Adonis Sir pour l'abonnement, et merci TF Niro pour le deuxième mois. Merci beaucoup. Alors... Hop. Ah, Gomar. C'est Ponce. Oula. Quoi? Ah. Oula. Ah. Bah, non, mais, falloir arrêter. Moi, je viens de croiser Ponce. Bah oui, moi, je... Oui, bon, et après... Il était où, Gomar? Vas-y, dis-moi. Dans attends, le mais tu m'as croisé attends, où, je prends la map. Je reviens du cockpit. Cockpit. Entre cockpit et engine room. Mais attends, mais il a fait noir la moitié du round, je t'ai même pas vu, moi, Ultia. Moi, je t'ai vu il y a vraiment genre 5 secondes avec Zary et je suis reparti derrière vous pour voir ce que vous aviez fait et j'ai vu que Zary mort. J'ai vu ni Ultia ni Zary. La seule personne que j'ai vue, si. Alors, au tout début, évidemment, quand on a spawn, au tout début. Et là, à la fin, j'ai croisé Gomar. Mais sinon, j'ai vu ni Ultia ni Xerine. C'est vrai que quand Ultia fait des calls comme ça, genre, c'est Ponce. C'est. Moi, j'y crois pas mal, difficile ouais. Difficile de. Ouais. Attention, j'ai pas vu l'animation de vote. De kill, ouais. J'ai pas vu l'animation de kill. C'est juste que je les avais vraiment vus il y a 5. Mais comment mais tu nous as vus? Il y a pas de lumière? Bah, je vous ai vus. Je vous ai vu il y a 5 secondes, Xary et toi, et quand je suis repartie sur mon chemin, il était mort. Après, ça ne veut pas forcément dire que c'est toi à 100%. Mais comment t'as pu voir deux personnes? Je me rends compte qu'il n'y avait pas de lumière. Moi, je t'ai dit, moi, je revenais du cockpit et je l'ai croisé. Je me suis pas rendu compte qu'elle a été déplacée. En vrai, quand ça a buzzé, je l'ai croisé dans le couloir entre cockpit et engine. Il s'est passé tellement de choses en 15 secondes. Oui, et en vrai, moi, j'en ai aucune idée parce que du coup, j'ai rien vu à part Gomar à la fin. Mais du coup, je vais voter Ultia parce que réellement, je n'ai croisé personne. Mais tu votes Ultia du coup? Bah, elle a voté pour moi, hein, quand même. Donc, Mais. Non, mais attendez, oui, mais tu vois bien que je suis innocente dans ma manière de t'accuser. Bah, je serais vraiment une grosse bolosse si je t'avais accusée dans le vide pour ça. Oh là là, on va se calmer. Tu peux self-report. Tu peux aussi tuer self-report. Parce que. Je ne t'accuse pas de manière genre virulente, tu vois. Oui, bien sûr.
Genre, en gros, je sais même pas si c'est vraiment toi parce que j'ai pas vu. Bah ouais, mais t'as quand même voté et tu. Bah oui, mais du coup. Oui, mais du coup, si tu votes contre moi, ça veut. Enfin, je veux dire, c'est pas moi qui suis imposteur, sinon j'aurais pas dit ça. Enfin, bah en fait, en gros, T1. Bah en gros, T1, pour moi, quand on a des convictions aussi fortes, c'est que soit, bah, on sait que du coup, bah, on joue pour nous. Mais non, parce que j'ai dit que c'était pas la. Oui, mais t'as quand même voté. Oui, mais t'as voté. Bah, parce qu'après, voilà, par exemple, il y a possibilité. Je ne vois pas. En fait, je ne vois pas comment. En fait, je ne vois même pas comment elle peut être sûre que ce soit moi. Ni même avoir vu. Il y a possibilité. Juste qu'elle ait tué. Attends, je dis ça, moi, je suis pour personne, mais. Qu'elle ait tué Xari, qu'elle ait vu Ponce. Mais je ne l'ai pas vu. Attends, justement, qu'elle ait semi-paniquée, mais vu que les lights sont off. En fait, tu l'as pas vu et du coup, moi j'ai vu ni Xari ni Ultia. Donc, est-ce que c'est possible que, genre, avec l'absence de lumière, que quelqu'un soit arrivé, fait le kill et fait demi-tour? Attends, vous avez pas les lights? Ah oui, oui, là, c'est possible. Oui, là, les lights sont remises, oui. Ouais, vu que j'ai pas vu l'animation de kill, c'est fort possible que quelqu'un se soit ramené entre temps et tu exaries. C'est vrai, c'est pour ça que coup, je dis que c'est pas sûr que ça soit Ponce. Moi, je skip sur celle-là, mais du coup, pas si sur Ponce quand même. Mais... Donc, du coup, on met Ponce sous. Je skip, mais. Bracelet, ouais. Je skip. Attendez, dans ce cas-là, mettez aussi Ultia dans la. Ultia sur Bagheera en général. Oui, j'étais pas fait ça. En vrai, mettez une pastille sur moi, mais mettez une pastille sur aussi Ultia, quoi. Parce que... Mais non, sinon j'aurais pas dit ça, parce que tu me connais, enfin. Justement, c'est évident. Au contraire, c'est évident que je suis innocente, du coup, tu vois, je trouve. Non, ça peut être toi qui sais le freeport. Non, justement, pas du tout, je suis pas du tout d'accord. Ah, je peux pas bouger. Je peux pas bouger. Ah, c'est bon. Alors, j'ai un petit souci sur la game, je ne peux pas me déplacer. Alors, moi non plus, je pouvais pas déplacer. Hein, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert la map, je l'ai refermée. D'accord, moi, je peux même pas l'ouvrir la map. Ah ouais, clique dessus, vraiment ? Je ne peux pas l'ouvrir. Paramètres, map et tout. Non, rien. Aïe. Settings. Ah, c'est bon, merci. Merci, désolé. Ok. Bon, on va commencer tranquillou à fermer des petites portes, au calme. Ça fait toujours plaisir de fermer des portes. Plus il y a des portes fermées, plus on se met bien pour pouvoir tracer. Je vais me faire oublier un peu. Putain, je suis coincé. Et pendant que je me fais oublier, il faut que Gomar fasse des choses. Bug d'impôt. Bah non, on l'a tous eu. On est plein à l'avoir eu, donc non, c'était pas un bug d'impôt. C'est où ce putain de truc? Gomar. Faut qu'on fasse un truc, Gomar. Faut vraiment qu'on fasse un truc, hein. Parce que là, ça va pas. On va continuer à fermer des portes. Je vais aller fake une tâche que je connais vite fait. Moi, faut que je me fasse oublier, mais... Sauf si Gomar veut double kill, bien sûr. Boum, boum. Je ferme des portes. Et puis là, derrière, ce qui va se passer, messieurs, dames, c'est que je vais me casser d'ici. Je vais croiser PA. Je vais éteindre les lights. Et je vais remonter en mode, mais non, les lights sont éteintes, c'est trop bizarre. Attends, what the fuck en fait. En bas, hop. Hop. Là, je fais ça. Je me balade electrical. Là, je fais la quête de ça, ok. Petite simulation de quête. Là, ok. Zulu? Le oui. Coup du mute. Est-ce que t'es parti pour voir s'il y avait quelqu'un qui avait tué ou t'as pas vu ou... Non, non, pour faire electrical. D'accord. Mais... Oui, tu mets le doute maintenant, gros... est-ce que le cadavre y était déjà, mais non. Bah, non, il non, est juste devant fait. L'échelle. Mais je l'ai vu au retour, où en fait. Où ça, Goma? En gros, j'étais en bas de la map, vers Security. J'ai checké les cams, genre 2 secondes. Je trouvais qu'il y avait pas grand-chose d'intéressant, donc je suis remontée. Et j'ai croisé Zulu, mais il y avait le corps à l'échelle de... Ah, attendez, Electrical. C'est ça? Oui, ouais, ok. À l'échelle de Electrical. Ouais, ouais. Et Zulu, t'étais vers la droite et t'es revenu après. Attends, oui, Electrical, j'ai c'est... le task, en fait. C'est une échelle? Et je suis donc revenu oui. Ensuite pour monter en main. Je dis pas que c'est toi, hein, Zulu, attention. Je dis pas que c'est toi. Ok. Ok, ok. Moi, Bagheera, je t'ai vu suivre Zulu un moment en descendant de Records.
J'étais possible. Au cam en fait, et ensuite Zulu et... Non, pas Zulu, pardon, tu suivais Rivenzy depuis Records, parce que vous avez fait... Attends. Vous étiez à Gap Room, vous avez fait le truc, vous êtes sorti. Il y a Ponce qui est sorti, qui est parti vers Lounge. Toi, voilà. Tu as suivi Rivenzy direction Showers en bas de Records. Je le sais car j'étais au cam. Et Zulu peut le confirmer, il est arrivé au cam au moment où j'en partais. Moi, j'ai juste vu JDG et Bagheera à Meeting Room. Alors moi, Attends. Antoine, tu étais au cam? Ouais. Est-ce que t'as pas une cam de Electrical? Je sais pas où sont les cams, mais t'as une cam d'Electrical genre qui donne sur... Je me rends pas compte en fait pour l'instant. Il y a genre 6 cams, un truc comme ça, et je sais pas trop où elles sont. Je vais pas te mentir. Je sais qu'il y en a une à Record, je reconnais l'endroit. Il y en a une à Volt aussi. Est-ce que t'as vu Rivenzy sur les cams avec, quelqu'un ou... Bah, le seul moment où j'ai vu Rivenzy, c'est quand il repartait de Gap Room, qu'il passait par Records et que là, ça a split de direction. Ponce est parti vers Lounge, mais Rivenzy est descendu vers Showers, suivi de Bagheera. Voilà. Alors, moi j'ai une théorie quand même. Moi j'étais au cockpit, hein, là. J'étais en train de rejoindre le cockpit. Du coup, moi j'ai fait tout droit de douche à cockpit. Je suis pas descendu à l'électrique. Oui, vas-y Zulu, dis-nous. Alors, moi j'ai une théorie quand même, parce que c'est Gomard qui a report. J'ai croisé Gomard quelques instants avant qu'elle reporte parce que j'étais à Security et j'allais faire mes tasks à Electrical. On s'est croisé, j'ai pas vu de cadavre, je vais faire ma task, je reviens, il y a Gomard qui reporte au même moment. Et ben non, justement, puisque je venais d'en bas. Et moi, c'est vrai que ça me paraît probable. Je revenais des cams, Zulu. Vous connaissez un peu les vents ou pas? Genre, par exemple, il y a des vents au-dessus de... Tu revenais pas des cams, c'est pas possible. À ce moment-là, bien sûr que si, je revenais d'en bas. Je revenais d'en bas, j'ai été sur l'échelle, il y avait le corps et je te voyais à droite. Moi, je doute sur Gomard. Et je t'ai vu revenir sur le corps après. C'est le fait qu'au lieu de dire. T'as pas du tout accusé Zulu, t'as un peu posé la question. En disant prendre. Bah, parce que ça peut être comme tout à l'heure. Ça peut être comme tout à l'heure. Je pense que c'est là. Je suis complètement d'accord avec toi, Bagheera. Moi, je maintiens ma gommette sur Ponce. Hein? Ah non. Je pense que c'est la pire idée de voter maintenant. Non, mais ce n'est pas moi. J'accuse pas Zulu parce que je ne sais. Non, mais non, ce n'est pas moi. J'accuse pas parce que je ne sais pas si c'est possible avec les vents et tout et tout. T'inquiète, Gomard. Je tiens à rappeler le tour 1 avec Zari hein, quand même. Oui, qui n'a absolument pas. Moi, je pense qu'Antoine, il parle pas beaucoup et qu'il parle pas beaucoup. Mais si, j'ai expliqué le truc des caméras et tout. Par contre, je fais très exprès souvent quand je suis. Je vous parle à vous, les flancs. Quand je suis imposteur, dans les débats comme ça, je fais très souvent de faire. Semblant d'essayer de parler. Comme ça, je fais genre, ouais, non, mais je suis là. Hein. Je vais le suivre. Hein. Bon, faut juste que je me fasse oublier un peu. Putain, je connais rien, c'est ma... Ah, j'y suis jamais allé. Je suis jamais allé là. Découverte. Attends, quoi? C'est la première fois que je suis allé là. Ok. Vous allez le faire, hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Ok, bon. On va tenter des trucs. Par contre, c'est vrai que sur la map, je vois pas de... Je ne vois pas, c'est vrai ça. Je vois pas de tâches. Ça avait pas tout à fait tort ici. Elle était là, je crois. Hein. Non? Attendez, je reste là tranquille, je vais voir. Je vois vraiment pas les tâches, ouais, j'avoue. Tab? Ah, mais c'est un enfer, du coup, moi, je joue pas avec ça. Oh, je suis tech. Ok. Parce que moi, je joue pas du tout avec Tab, du coup. Ah ouais, trop chiant. Il faut que je choisisse un autre bind, je pense. Il faut que je prenne un autre bind. Les lights. Bien sûr. Les lights. Les lights, bien sûr. Non, c'est pas ça, les lights. C'est pas ça, les lights. C'est pas ça les lights. Je pense que, attendez, si je kill Ultia, je pense que c'est win après là. Si elle découvre pas le corps. Elle découvre le corps. Ok, il reste encore deux imposteurs là, c'est ça? Sûrement. Probablement. Bon. Goma, t'as mis longtemps actuellement... à activer le code de droite là, non? Mais oui, parce qu'il y a marqué left side is not machin. Et pourtant, au left side, il y avait Antoine, Ponce et je sais plus qui. Mais ça, j'ai pas compris. Hein. Ah, bah ça me mettait le code. Ça me mettait left side is not activated. Moi, j'ai fait le code, je l'ai fait même plusieurs fois parce que je comprenais pas pourquoi la flèche restait. J'aurais une question après sur une tâche qu'il faut faire parce que je comprends pas qu'est-ce que c'est. JDG.
Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu faisais, voilà, ta journée, est-ce que ça s'est bien passé? Vas-y, on t'écoute. Ça va très bien, je faisais mes quêtes, je viens d'arriver là et j'ai vu le report s'allumer et j'ai cliqué sur le bouton report, mais tu as cliqué avant moi. C'est tout. Quel cadavre du coup? C'est Bagheera, je crois. Bagheera, exactement. Exactement. Alors en fait, moi je descendais de Meeting Room pour aller donc résoudre le problème de... Je sais même pas c'est quel problème, je suis désolé, je connais pas, c'est le jeu. C'est pas grave. Et j'ai vu JDG qui vagabondait un petit peu, il est allé à l'armurerie, je sais pas, je suis passé par la cuisine et je descendais ensuite pour aller faire la quête du téléphone qui est juste en dessous de là où tu as trouvé le cadavre. D'accord, ok. Bon, en tout cas, je peux pas dire que c'est toi, mais je t'ai trouvé un petit peu bizarre dans ta façon de te déplacer. Mais mec, j'ai la carte ouverte en permanence pour savoir où je vais, quoi. Moi, je continue à accuser Ponce. Je pense qu'il a vraiment tué Xari. Voilà. Mais what the fuck, genre. Ouais, je suis désolée, Ponce, je te lâche pas, mais je me fais confiance. Genre là, depuis le début, sur aucun kill à part Xari, je peux être suspect. Genre vraiment, je comprends pas du coup. Ah, j'en sais rien. Ok. Allez, moi je pense que c'est peut-être Ponce et Gomar, je sais pas. En vrai, moi je. Non. Elle a essayé. Ultia, ce n'est pas moi. Vraiment, le truc du code, il y avait vraiment marqué que c'était pas activé de l'autre côté. Ok. Après, peut-être que tu regardais aussi. C'est-à-dire que là, Ultia, sans qu'on ait. Et Ultia, ça veut dire que. C'était vraiment écrit ça. Sans qu'on ait débattu, Ultia, t'as déjà voté pour moi. Je trouve que c'est craignant, ça, 5 de faire ça en vrai. Le premier tour, je te laisse avec Xari, je retourne sur mes pas, Xari est mort. Mais je n'ai vu ni toi ni Xari, je ne sais même pas de quoi tu parles. Quel code? Genre, il faut arrêter de faire ça. Faites ce que vous voulez alors. C'était quoi Non, c'était pas les communications, c'était de quoi de droite ou de gauche? T'étais sur le droite ou gauche? J'étais sur le droite, moi. Et parce que moi, j'ai fait celui de gauche et il me disait que le droite était pas prêt, quoi. Moi, ça m'a dit que le droite était pas prêt. Son esprit est beaucoup trop pur pour qu'elle puisse faire des accusations comme ça. J'allais bien dire ça. Hein? T'as voté pour moi, là, JDG? Je sais pas. Bah ouais, mais attends, mais quoi? Mais attends, tu passes de Ultia à moi d'un coup? Ok, donc ça t'arrange bien que tous les votes... Attends, j'ai un truc. Donc ça t'arrange bien, JDG, d'un coup, d'apporter ton vote à Ultia alors que t'étais à deux doigts de dire je vote contre Ultia. J'ai l'air super convaincu et j'ai rien d'autre. Donc à un moment, il faut bien que je vote. Ouais, mais on est 5. On est 5. Là, de toute façon, s'il y a deux imposteurs et qu'on se trompe, c'est fini. Bah, du coup, je vais voter. Bah, moi, je vote JDG parce que si Zoulou. C'est Zoulou qui a dit que t'étais suspect. Il change d'imposteur comme de chemise. Ouais, je vote JDG. Non, là, franchement, j'étais vraiment en train de faire mes quêtes. Après, Zoulou, ça peut être aussi. Ah non, vous êtes à côté de vos pompes. Bah ça se trouve c'est lui, hein, j'en sais rien, mais moi je sais pas, je garde mes suspects pour Ponce. Terrible. Allez, voilà. Terrible. Oh là 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 là, mais je l'avais dit. Félicitations. C'est qui le troisième imposteur? Je sais pas qui s'est accusé de Gomar à un moment, mais vous avez tous oublié Gomar, quoi, au dernier. Vous avez grave oublié. Allô. Mais oui, moi je l'ai pas oublié, moi. Bah oui, évidemment Ultia, mais c'est vrai que moi dès que JDG t'as dit je vote pour Ponce, le mode girouette alors que tu venais d'être accusé par Zoul, j'étais en mode c'est free, tu vois. Ouais, et franchement, c'est free. Ponce, GG. Bah ouais, en vrai, c'est free. Mon argument était pas en vrai. Ultia ne fait jamais des accusations comme ça, sauf mais si oui, elle est sur la genre au début quand. Ah, mais attends, mais Ultia, je t'arrête de suite. Ouais, je le sais très bien, je te connais. C'est juste que moi, je suis un imposteur, donc je vais pas te dire oui, j'avoue. Je lâche rien. Ah, bah évidemment. Quand j'ai compris que c'était lui qui avait tué Xari, le fait que Ponce, il ait dit « Ah bah, c'est toi alors !» Ça voulait dire que c'était lui. Parce que genre, moi, jamais un imposteur aurait fait ce que j'ai là, fait pour un. D'accord. Jamais de la vie. Bah, moi, j'ai voté Ponce. Il fallait dire qu'on a gros sur la patate. Ouais. Après, tu vois... Il y a vraiment que moi qui te fais confiance. Ouais, j'avoue, j'étais GG, merci d'être là. Non, mais après, il y a eu des doutes quand même. Après, il y a eu des doutes assez vite, justement, où dans l'argumentaire de Ponce, ça a dit que finalement, tu l'avais pas vu, que c'était un peu chaud. Il y avait Gomar qui l'avait vu il y a pas tant si longtemps. Alors, en vrai, j'avais vu Ultia et Xari. En vrai, j'avais vu l'un et l'autre. Du coup, ça a créé le doute autour d'un. J'ai totalement fake report, j'ai totalement fake le code. Mais en fait, j'ai l'impression que vous étiez trois dans la Ouais, Bagheera. J'ai une question pour les tâches. Oui, manipulé, il y a un truc qui dit code, puis qui met des pierres précieuses à la suite, on doit faire quoi? C'est en deux parties. À droite, t'as le code que tu dois rentrer, et à gauche, c'est là que tu dois le rentrer, en fait. Ok. Donc c'est une série de quatre pierres précieuses. Et oui, et question pour les. Il y a une tosque au niveau de l'électricole aussi, où il y a plein de leviers, genre, ils font 3, 4, 5, 6, 7. Faut les faire dans l'ordre. Non, le pire, c'est le disque qu'il faut rembobiner là.
Voilà, ça, c'est cassette, c'est la cassette. C'est simple, mais c'est long quand même. Ouais, non, c'est long chiant, parce que il faut être précis en fait. Quelqu'un connaît la tâche des photos du coup dans la chambre noire? Moi je l'ai pas faite. Ouais, il faut les mettre, il faut repartir et il faut revenir après pour les enlever. Ok. Ah, j'ai même pas eu cette quête encore. Mais il y a plein de cartes que j'ai pas eues. Allez, c'est comme les éprouvettes. Bonne chance. À toutes et à tous. Bonne chance. Bonne chance. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bonne chance à toutes et tous. Et arrêtez de m'utiliser. T'inquiète. Crewmate. Coucou, mate. Ah, j'ai oublié de prévenir un truc. Ouais, je leur dirai tout à l'heure au prochain call pour afficher les tâches si jamais ils l'ont pas vu. En tout cas, c'est une victoire en imposteur, hein. Ok. En vrai, c'est une victoire en imposteur. C'est tout ce qu'on veut. Après, je leur dirai, ouais, pour... Ok. La fin du DL, quoi. Pauvre Ultia, après que personne n'ait... Quoi? C'est vraiment pas ça. La fumée. Bah, je pense que c'est bon, ça, à mon avis, ouais, effectivement. Non, par contre, en vrai, le cooldown du premier kill, du coup, il est toujours à 8 minutes. Mais il est de 5 secondes, je crois, genre un truc comme ça. Ouais. Par contre, juste petite info, parce que du coup, j'ai été imposteur. Si vous voulez voir les tâches des autres et tout, c'est tab, du coup. C'est tab, ouais. Et du coup, c'est un peu chiant, parce qu'avant, tu cliquais sur la map, tu le voyais. Là, non, là, faut vraiment tab, quoi. C'est giga galère, en vrai, ouais. Bah, surtout, moi, je joue avec les flèches, c'est un enfer. Oui. Bah, surtout que t'as un pot, donc c'est chiant, quoi. Oui. Ouais, j'avoue, ça doit être chiant, pense là, vas-y. Mmh. Ça dit du quoi, coup, Zulu, le cadavre est où, Zulu? Ah bah, yes. Il est encore mieux. Il est encore mieux, depuis 2009. Ah, je suis désolé. Mais je suis encore abasourdi de la dernière game où j'ai l'impression de me faire utiliser. Et là, j'ai l'impression que ça va être encore la même, quoi. Non, t'en veux pas. Mais je vais me concentrer. Je vais me concentrer. Il faudrait que t'apprennes avec moi que je ne mange jamais, en fait, quand je dis un truc. Bien sûr. C'est la base. C'est pas du tout dans cette partie du vaisseau. Personnellement, on est un groupe de confiance. Du coup, je suis à Brig. Non, on peut pas. Brig, entre. Je sais plus, attends, c'est Brig. Brig. C'est en haut à gauche, c'est à Brig. Ok, ouais. Ouais, ouais. Près du truc de mannequinat là, près du rubis là. Et bah voilà, j'étais avec Ultia. Ouais. Et je sors, je vois un cadavre, je le reporte et je fais wow, Ultia, je la tiens, je vais. Et là, je me rends compte que c'est elle en fait qui est morte. Donc. Et il y avait personne avec. C'est bizarre, Zulu. Est-ce que depuis le début, parce que Zulu, moi je te connais pas mal, je sais que t'aimes bien jouer au con pour au moment opportun en fait faire des masterclass. Ouais, c'est un peu la Zulu, je suis d'accord. Zulu, je vais te poser une seule question. Attends. Vas-y, je t'écoute. Que bois la vache. De l'eau. T'es très très fort, mec. Et sur ça, je dirais que t'es en pleine masterclass de votre porte. C'est indéniable. Oh, le compte, le compte. Excusez-moi. Quoi? Bah, en gros, c'est Zulu qui est en pleine masterclass, je pense. Ouais, je pense, ouais. Non, c'est zéro, par contre. Et on se repose sur la question, c'est que Kobo la vache, c'est ça? Mais du coup, le cadavre, il est à Brig ou à Volt? Parce que t'as parlé du diamant et le diamant est à Volt. Il est pile au niveau de la porte, en fait. C'est pour ça que j'étais obligé de report parce que. Je marche dessus, quoi. Au bout d'un moment, c'est vrai que c'est chiant. Et le truc, c'est que j'ai vu personne d'autre. En fait, j'étais avec Ultia et elle a fini sa task avant moi et je ressors et il y a le cadavre dessus. Il y a pas de Bagheera et Benzi, vous êtes restés tout le temps. Vous êtes restés aux toilettes ensemble? Non, moi j'ai fait les toilettes. Ouais. Ensuite, je suis descendue et là, j'ai entré en DL. Je crois que c'est vers Medico, je crois. Parce que je sais que j'ai spawn avec Rivenzi. Bagheera, je sais pas parce que je t'ai pas vu, mais t'as peut-être spawn à Cargo Bay aussi. Moi j'ai spawn à Records. Ah. Non, mais là, moi j'ai rien fait. Hein. Je sais pas ce que vous avez mais, fait. Je me dis, le kill a été super rapide. Sachant que je vous ai vu tous les deux aux toilettes. Je sais pas s'il y a des vents là-bas, mais bon, ça peut au moins innocenter ça. Je sais même pas s'il y a une vent vers Volt ou Brig en fait. Je sais pas du tout s'il y en a une. Zulu, t'as spawn Main Hall, on est d'accord? J'ai spawn Brig. Et il y avait Ultia et il y avait effectivement une troisième personne. Et tu saurais pas dire qui? Je vois plus. Ok. Oh, y a l'enfer. Mais en même temps, quand tu spawns, tu sais, les mecs ils se split direct et. Alors, j'ai spawn vers réflexe. Surtout qu'en plus, on spawn pas en même temps. Si on est super long sur le spawn. Tu spawns pas en même temps, tu mets du temps à choisir l'endroit où tu spawns. D'accord, ouais. Petite pastille sur Zulu. En vrai, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait pastille sur Zulu. Se fait-il encore utiliser? Où nous utilise-t-il? Où nous utilise-t-il? Allez, petite kitchen. Ça part en kitchen instant sur Electrical. Hop là, ça remet instant. Boum, ça trace. Bim, bam, boum. Tac, tac, bim, bim. Tac, abim. Us, lubiduc. Sims, LV1. Par contre, vous savez que j'ai toujours pas compris comment... Bon, qui a foutu son t-shirt, là? J'ai toujours pas compris comment on prenait les plateformes. Ok. J'étudie un peu le système. Hop, les
Sim Sim. Merci Razlan pour le subgift d'ailleurs, merci Destios pour le 6ème mois, merci à The Lady Daisy pour l'abonnement, merci Noelish pour le subgift à la merguez, ça régale. Merci le maître pour le 2ème mois, merci Sinister Freka pour le 8ème mois et merci Elisa pour le 3ème mois. Merci à vous. Merci beaucoup. Pendant que je me fais littéralement brain dans une game où je ne suis rien du tout. Beskit, merci pour le 5ème mois. Je suis absolument rien, c'est énorme. C'est quoi ça? Ouais. Ok. Mais c'est là l'emergency. Meeting room, tout en haut. Juste en bas, c'est Gap. À gauche, c'est Brig. Ok. J'essaye de retenir du coup parce que je suis vraiment catastrophique. Et du coup, ça, j'ai pas. Ah, moi, je suis juste à côté, ça tombe à pic. C'est bon. Ça, j'ai toujours pas compris. C'est juste, faut attendre. Ouais, je pense, hein. Non mais je peux pas y aller? Ça ne marchait pas? Merci. Ah mais on peut pas y aller à deux, d'accord, ok, je viens de capter. Ok. Mais pourquoi je vais là? Y'a rien à foutre là. C'est une catastrophe, c'est énorme. C'est parfait. Qui a foutu un dos en plein middle là les gars? Putain. C'est une catastrophe. N'importe quoi. Re. Attends, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai. Très bien, j'ai report le corps. J'ai report le corps de JDG en même temps que Gomar. Attends. Bah, pour moi, c'est, ouais, pour moi, c'est Gomar. Hein. Pour moi, je vois juste Gomar. Report aussi, moi. Non, hein. Mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, mais j'ai report aussi, moi. Non, c'est pas vrai, c'est pas. Mais alors, moi, je crois que je n'ai pas report. J'ai vu le corps, mais je crois que je n'ai pas report. Ah bah, chez moi, c'est toi qui report là. Ah bah, chez moi, c'est Gomar aussi, ouais. Ouais, ouais. Bah oui, bah chez moi aussi j'ai le truc. Non mais moi j'ai report par contre. Non mais arrêtez. Non mais attendez, mais ça s'est pas genre passé à l'instant là? Il y a tout le monde qui report. Mais attends, Réguman, tu viens de prendre l'échelle là. Ta. Oui, je suis monté. Il y avait Gomar en train de slice un mec là. Je sais pas qui c'est mais... De slice un mec, pardon. Alors attends, j'explique. J'explique. Je suis arrivé à un je suis Zouli s'énerve. Mais non je deviens fou, je deviens fou avec ce jeu, c'est incroyable. Je suis à Security avec Xari. Je décide de monter et de prendre l'échelle vers Main. Il y a Réguman sur le, qui s'avance vers l'échelle. Je m'approche de l'échelle et je vois avec le Fog of War, là, je sais pas quoi, Gomar pile devant l'échelle. Je monte, que vois-je? Un cadavre. Au même moment où Réguman monte. Et du coup, je sais pas si c'est mon esprit qui a vu Gomar slice quelqu'un ou si tu t'es juste approché pour report, mais en même temps, dans ton discours, tu dis que t'as pas report. Alors, deux choses, Zoulou. Vas-y, je t'écoute. De un, je suis arrivé en même temps que vous. Alors, j'étais sur place et je comprends pas non plus, pense. Oui, non, mais je suis arrivé en même temps que vous. Et de deux, on est resté un moment ensemble, je sais plus trop quand, au début de la game. Non, j'allais dire j'aurais pu te tuer, mais c'est vrai que les kills ils sont assez. Gomar, je vais pas te mytho. Moi, je suis arrivé en même temps. Gomar, sur mon stream, ça fait 10 minutes que je me répète. Ok, Gomar, allez safe. Gomar, allez safe parce que je t'ai vu faire une task avec moi. Et là, je vois oui, ça. Oui, on du est coup, d'accord. Et vous avez croisé qui d'autre dans ce cas-là? Parce que si vous êtes sur la moi, j'étais à l'endroit. En fait, j'ai vu un glooby boulga de personnes à mon. J'étais, je suis monté dans la pièce juste au-dessus. Et en fait, je suis redescendu un peu sur la fin parce que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe un peu plus bas? Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le report en fait. Je n'ai rien compris à ce qui s'est passé. Le truc, c'est que ça fait. Rivenzy, t'as voulu report? Oui, j'ai voulu report pour un cadavre qui lui. Ah, mais il y avait Rivenzy aussi? Ah non, mais moi j'étais à l'autre bout de la carte pour l'autre corps. Moi j'étais pour le corps de JDG. Ah, d'accord, moi j'étais de l'autre. Comment ça, l'autre bout de la carte? On a dit où j'étais à Armory, moi pour le coup. Ah, mais on a dit où on était? Voilà. Ah oui, on a dit qu'on était à moi, sécurité, oui. Moi, j'ai juste un truc à dire, c'est que Zulu, ça fait quand même deux fois que dans une zone avec un kill potentiel, quoi, tu vois. Alors, attends. Rivenzy, voilà. Je t'arrête tout de suite. Gros, Zulu toute la game, innocent. Tout à l'heure, ouais. D'accord, Zulu okay. Est innocent, 100%. Ok, oula, Bah non, je suis désolé, mais j'étais avec lui en permanence. Mais bien sûr. Alors, ceci dit, je suis passé voir, parce que j'ai vu pas mal de cams allumés, je suis allé voir, effectivement, c'était Xari et Zulu qui étaient au cam. Zulu, il a fait la cassette parce qu'il a mis une année en plus à la fin. Après, il est venu réclamer en cam. C'est dur, c'était la première fois. Et je l'ai vu tout le temps, donc c'est impossible qu'il ait kill. Donc, moi, Zulu. Donc, du coup, il reste qui? Il reste Antoine, Gomar. Est-ce que quelqu'un peut faire Gomar et Wolf? Mais je réitère, je suis vraiment arrivé en même temps que vous. Ah non, vraiment, je suis au-dessus. Je pense que c'est Gomar. Non, Zulu, ce n'est pas moi, je suis vraiment arrivé en même temps. Et je pense que j'aurais pu te slasher avant si j'étais imposteur.
Vraiment. C'est moi, je pense que c'est, pas PA, mais... je pense que c'est pas Zul, je pense que c'est pas Xari, ça se joue entre Antoine, Gomar et. Antoine, il m'utilise encore. Je ne t'ai absolument pas utilisé, j'ai rien fait. J'ai oublié qui est resté, je suis vraiment naze, quoi. J'ai oublié. Avec qui je joue. Oh, bon, vas-y, je vais aller tout en bas là. Oh, vas-y, je vais faire ça. Allez, boum. Je vais attendre. En fait, ils ont tout ce temps là pour le faire en face, quoi. Ah, voilà. Ok, nice. Super. Ok, je vais aller tout en bas faire le viewing machin, je sais pas quoi là. Viewing deck. Avec la fameuse quête du téléphone pour capter un petit peu mieux. Putain, vous savez que je comprends que dalle à la map. Des fois, je comprends pas que ce sont des. Ah, j'ai cru que c'était une hauteur, ça. Attends, d'où il sort? Il y a une vente? Non. Il y a une vente? Non. Il me suit. Gomar qui sort de là. Qu'est-ce qu'elle... Il y a une vente là, quand même. En vrai, il y a une vente, quand même. Oh, le perfect! Let's go! Merci, Kindoff, pour le deuxième mois d'abonnement. Et merci beaucoup, Mel, pour les 100 bits. Merci. C'est gentil. Gomar et Rivenzy, hein, que j'ai croisé là, on est d'accord. Gomar et Rivenzy que j'ai croisé là. Ils font quand même partie du move où il y avait plein de gens. Hein. Oh bah. Le report ne marche pas. Bah. Tu vois, pouvais pas... Ah bah ça a mis. On est d'accord. Ou... Oh, ok, on est d'accord, ok. Parce oui, là, c'est moi qui ai le report, mais ça fait une demi-heure, je spam. Mon jeu a crash. Ah. Et mon stream aussi. Ah. Ah. Tout mon PC a freeze. Ah merde. Oh, chaud. Oh, l'angoisse. Le jeu est cursed, hein. Vraiment. Hein. Ouais. J'ai vraiment j'étais mute, mais vous pouvez me rejoindre sur mon stream, les gens qui étaient chantants. Mais ils t'entendent pas, je suis plus en stream. Ouais, chez moi aussi, ouais, là. On sait jamais sur les autres. Slash Bagheera Jones. Je suis des selles, mais c'est trop dur. Xari, il est 3 à 4 lettres. Après, il y a Ponce, un P-O-N-C-E. Enfin, bref. En vrai, on peut parler de la game, s'il vous plaît, pardon. En vrai. Oui. Ouais. Ah oui, je suis mort, moi. Ciao, les gars. En vrai, du coup, je pense que c'est soit Rivendi, soit Gomar et que c'était Antoine. By the way. Il y a eu en gros Zul qui est mort, puis Xav. Voilà, genre, les deux qui étaient 100% innocents, c'est-à-dire qu'on le sait toujours, donc c'est vrai que ça nous aide pas trop. Mais je sais que t'es innocent, PA, parce qu'on a vécu la même chose devant le corps et je suis à peu près sûr que t'étais pas du tout en train de fake. J'ai entendu le nom de ta voix, donc je pense. Du coup. Quoi? Quelle folie. Non mais mec, arrête. C'est fou. Pourquoi tu dis que c'est moi? C'est dingue. Oula, tu t'énerves un peu vite. J'ai dit que c'était Antoine, Gomar ou toi, par contre. Genre. Je t'ai croisé toi et Xari. Enfin, pas ensemble, mais je t'ai croisé quand je revenais du téléphone sur le pont du bateau. Enfin, je sais pas sur quoi on est. De l'avion, pardon. Et je suis revenu, je suis repassé par l'échelle et tout. Et Xari était au cam. Et je suis remonté tout en haut. Et en fait, entre guillemets, il y a Ponce qui a fake une task juste devant moi. Enfin, qui est revenu sur moi, qui m'a suivi, en fait, qui est reparti de l'autre côté. Très bizarre. Et en fait, j'explique mon point de vue, ce qui s'est passé. Je suis arrivé dans la salle qui était au niveau de security. Et là, j'ai vu PA et Ponce autour d'un cadavre. Et quand ils m'ont vu, ils ont report. Oui, parce qu'en gros, alors oui, bon, ok, bon, t'as vécu des dingueries, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que déjà, je t'ai pas suivi du tout, on s'est croisé et moi j'ai continué mon chemin pour aller faire ma quête en bas. T'as fait des virgules vers moi et tout, j'étais en mode wow, mais alors, pas du tout. Mais genre, quand je dis pas du tout, c'est genre vraiment à aucun moment, genre j'ai tracé sur ma quête en bas du téléphone où il faut chercher où capter. Mais attends, et Ponce et Domingo, vous êtes ensemble là? Oui, alors en gros, ça paraît dingue, mais le truc, c'est que c'est vrai, c'est que moi. Voilà, moi j'arrive du côté de Rive parce que justement, je faisais ma quête en bas du téléphone, comme je le disais, et j'arrive, et là, il y a PA autour d'un cadavre, je me dis, oula. Ça va, frérot? Et je m'approche du cadavre et je spam le report et rien ne se passe, tu vois. Et là, je me dis, ah, peut-être que PA bug en fait aussi, comme moi, tu vois, autour. Et au bout d'un moment, ça report, je vois que c'est PA. Et à la voix de PA, je suis quasiment sûr que c'est pas lui. C'est-à-dire que je suis quasiment sûr qu'on a eu le même bug, PA et moi. Non, mais et le corps est devant les cams, on est d'accord. Non, mais attends. Je sais, moi j'y connais pas. Oui, bah, voilà. En fait, quand je suis repassé, Ponce, quand on s'est croisé là, que moi je revenais du téléphone et que tu allais sûrement ou t'allais faire un autre truc, quand je suis passé, Xari, était toujours au cam. Et j'ai eu le temps de remonter et l'échelle et de remonter en haut. En fait, les gars, le truc, c'est que je veux bien comprendre qu'il y a un bug, mais le fait qu'au moment où je rentre dans la salle, ça débug, je suis en mode, bon, c'est un peu bizarre, quoi. Oui, mais du coup, Rive, moi, je pense... Oui, mais dans ce cas-là, moi, je pense la même chose que toi. Pense, pour le coup. Ah non, vraiment. Moi, je pense que c'est Gomar. Moi, je pense que c'est Gomar et Antoine, concrètement. Non, ce n'est pas moi. Oui. Kiket a toujours son filtre, et ça, c'est beau. Si, non, Rive, arrête de croire des trucs, je te jure. Je te jure. Te mets pas trop dans la tête des trucs comme ça. Je pense que c'est Gomar et Antoine. Je pense que... Vraiment, crois-moi. Genre là, on a gagné, en fait. Ouais, voilà.
Voilà. GG. Ah, ben voilà. Ah, okay. Pourquoi j'ai pas voté pour l'instant, j'écoute pas assez. C'est vrai. Excusez-moi les gars, mais c'est vrai que de mon point de vue, c'était trop bizarre. C'était trop bizarre. Pour le coup, j'étais en mode. Ok. Je comprends, mais après tu nous fais gagner. On quitte la game, bien sûr. Non, je peux revenir avec le même code. Ah bon, pardon. Et oui. Après, non, mais vous étiez d'accord sur Rivenzy. Mais tu sais que Riv, il nous a fait gagner parce que Riv, le fait que tu sois comme ça aussi ouais. sincère dans ton truc en disant des trucs en mode, alors qu'il s'est pas du tout passé ça. Hein. Tu sais que ouais. juste tu devais bader parce que t'as eu peur, mais en vrai c'est pas basé ça. Mais le fait que tu parles comme ça honnêtement, je me suis dit mais ouais, en vrai il enquête vraiment, il a vraiment peur et du coup bah ouais, c'est juste Gobar en fait. Il restait ouais. que. Ok. Bah, alors tu sais que si j'aurais su que Rivenzy allait voter pour, j'aurais pu faire une égalité. Ça c'est mon gros cerveau. C'était Réguman. Oui, c'était alors, moi. C'était Réguman et Gomar. Oui. Ils ont kill un mec devant moi. Oui, c'est moi, j'ai totalement kill devant vous. Mais en fait, à ce moment-là, Gomar, j'avais pas compris que tu voulais double kill. J'avais pas compris. Mais je voulais pas du tout double kill. En fait, Bagheera, je l'ai vu. Et je me suis dit, vas-y, c'est le moment où. En fait, au tour d'avant, ça chauffe un peu pour moi. Je me suis dit, vas-y, il faut absolument que je fasse un kill et tant pis, tu vois. Ou c'était peut-être après, je sais plus. Et en fait, j'ai poursuivi Bagheera et je l'ai tué. Même s'il y avait des gens devant, genre j'étais tellement prise dans ma course que j'ai slashé, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait l'échelle et tout. Il y avait Antoine, il y avait Zulu, il y avait tout le monde. Ouais, je pense qu'on aurait même pas pu double kill, on se serait grillé. Je suis retourné en stream, hein. tous les viewers vous m'avez volé, du coup je vous ai entendu. Antoine a repris. Les gardes, merci beaucoup ici. D'ailleurs. Voilà, ouais, merci à tous. Merci aux abonnés d'Antoine de partir. Le premier minute. Il manque une personne dans la room, c'est qui? Bah moi j'arrive pas à rejoindre. C'est Xari? Non, Xari est revenu. Est-ce que éventuellement, j'ai une question, est-ce que vous voulez tester une vieille map ou pas? Oh non, moi je suis chaud pour ça. On est bien là, non? Ouais, okay, je suis chaud qu'on la prenne. On est bien, ouais. Histoire de... Bah, moi je suis OP pour rester sur ça. Bah moi je dois quitter et revenir, je crois. D'accord. Oh là là, ça peut c'est arriver. C'est qui le host? Des heures de folie. C'est moi. Hop, je me mute un tout petit peu. Merci beaucoup Dreams pour le 7ème mois d'abonnement, ça faisait longtemps Team VOD de mon côté, vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup Dreams, c'est gentil. Ouais, je suis super content de ce mon gosse là, petite reprise, ça régale. Tu stream jusqu'à quelle heure? Je sais pas jusqu'à quelle heure on va jouer, tant qu'on est chaud on continue. Mais ouais, je suis très content de cette session et aussi putain, on retrouve des feelings d'antan. J'espère que vous passez une bonne soirée parce que moi vraiment je kiffe. Voilà. Je passe un peu la musique. Parce que juste c'est bien, vraiment feeling d'antan et tout ça régale. Ok, on va passer en emote only pour je sais que c'est horrible parce que je viens de vous poser une question en disant j'espère que vous kiffez et là on repasse en emote only. C'est un peu chiant. Alors ça, vous savez que j'ai toujours pas compris. C'est-à-dire que ça, genre là, il y a un modèle qui a un chapeau. Là, il y a un modèle. Là, il y a un modèle. Qu'est-ce que je dois faire, du coup? Je dois faire quel modèle? Il y a trois modèles. C'est dur. C'est trop compliqué pour moi, tu vois. Enfin, écoutez... Je vais essayer cette veste, hein. Le chapeau, là. Ou les trois, hein. Je peux rentrer? Ah oui. Ah mais non, mais c'est le modèle en haut. J'avais pas vu qu'il y avait une petite... Ouh, non, mais tranquille. Oh. Innovation Mano. Merci Reaper pour l'abonnement. Merci Syriac aussi pour le prime. Merci à vous. Bon toutou. C'était moi du coup qui devient... D'où vous dites bon toutou là? Vous avez cru quoi? Vous avez cru que c'était votre chaîne? Vous avez cru que vous pouvez me dire ce que vous voulez ou quoi? D'où bon toutou? D'où y'a un mort? Allô? What? Allô? Allô? Ouais. Allô? Ouais, ça capte? Ouais. Oh non, Ponce, c'est encore toi? Non, arrêtez. Allô? Par contre, j'ai croisé personne, ça c'est allez, un peu l'enfer. Zulu, c'est l'heure de la théorie de Zulu. Vas-y Zulu. Ultra, peux-tu m'expliquer ce que... Non, Je l'aime trop, putain. Allô, vous m'entendez? Bien sûr, on s'entend. Commissaire, on vous écoute, commissaire. On vous écoute. Ultra, je vais pas te mytho. Je t'ai vu sortir d'Electric Hall. Il y a un cadavre dans Electric Hall. Au bout d'un moment, je vais essayer de me faire confiance. Et je vais croire en... Oh, en rêve possible. Alors, c'est quel cadavre? C'est Gomar ou Bagheera que t'as trouvé à Electric Hall? Parce que elle a tué Gomar, donc si c'est Bagheera, c'est pas elle. C'est le orange, c'est Bagheera. Ok. Alors moi j'étais au niveau de record avec. T'as bien gagné du temps ou pas?
sur cette question. T'as pu bien réfléchir. Mais là, tu lui en fais gagner encore. Là. Ah bah oui, j'avoue, Zul, arrête. Donc, depuis tout ce temps. Vas-y, Ulfia, donc, vas-y. J'étais à Record. J'ai fait la task des dossiers. J'ai croisé Rivenzi. Ensuite, je suis descendue pour faire les douches. Enfin, en passant par les douches. Et je suis arrivée au niveau de médical. Et c'est vrai que j'étais à Electrical. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais rien à faire là. Et du coup, je suis repartie vers médical pour remonter au niveau de lounge où est ma future quête. Parce qu'en fait, je fais les choses dans le désordre parce que je connais pas très bien la map. Voilà. Il y a pas beaucoup de gens qu'on peut dire qu'on entend sourire quand il parle, mais toi on t'entend vraiment sourire quoi. Non, j'avais rien à faire. J'avais rien à faire à Electrical. Mais t'es rentré dedans. Je me suis rendu compte après. Ah. Ouais, ouais, je suis rentré et je suis ressorti. Donc du coup, j'ai pas de cadavre. J'ai pas eu de cadavre. Il était où le cadavre environ? Non, parce que c'est grand Electrical. Regarde, il y a. Au bout d'un moment, non, je vais arrêter de jouer à ça. J'ai envie de le croire. Voilà. Non, mais au bout d'un moment, le bad cop. Au bout d'un moment, ça fait 3 games que les gens ils slashent des mecs devant moi et je suis là. Ah mais Zoulou. Là, il y a pas de coïncidence. Allez, moi je j'ai vu sortir. Ouais. Et Zoulou, voilà. Moi j'ai fait une game où j'ai accusé tout le long et où on m'a pas écouté. J'ai fait une game où j'ai été sortie et c'est toi qui m'as sortie d'ailleurs. Je sais pas si tu te rappelles. Alors que j'étais innocente. Donc je sais pas. Oui, mais là c'est notre game. On s'en fout. Là c'est notre game. On sait. Non, non, mais c'est lui qui me parle. C'est une game. L'argument de l'ancienne game, c'est lui bon signe, qui hein. Me reparle de ses. Mais c'est lui. Mais quoi? C'est lui qui vient de me c'est parler. C'est vrai, de ses oui, c'est vrai que c'est ce qu'il utilise, Zoulou. C'est vrai. On arrête de perdre du temps. Généralement, quand t'es innocent, t'es plus. Je sais pas, il y a plus par de pêche. Par contre, fais gaffe. Hein, bah, déjà, en fait, le truc, c'est que Ultia, en fait, elle sourit jusqu'aux oreilles, ça s'entend dans sa voix qu'elle sourit. Ah mais après elle est souriante aussi, enfin tu vois, elle est de bonne humeur. Bien sûr, naturel, contrairement à moi, je fais la gueule tout le temps, bien sûr. Elle est innocente, elle met vraiment de l'énergie, tu vois, pour montrer qu'elle est innocente, tu vois. Alors que là, je la sens un peu résiliente. Ouais, pareil. J'ai expliqué tout ce que j'ai fait. Je comprends. Mais bien sûr, ça ne suffit pas. Bon, tu votes pour ta mate là. Moi, je suis désolé, mais de mon côté. Aussi en question, mais c'est trop tard. Moi, je vais voter juste. Vas-y, Dipper. Non, parce que bah justement, toi, je t'avais vu, j'étais un peu Dipper. Ouais, j'espère que vous me suivrez la prochaine fois que j'accuse quelqu'un. Alors, j'ai quand même voté pour Ultia, mais au passage, genre Antoine, t'allais vraiment sans s'opposer des lights, etc. Ça avait pas du tout l'air de gêner quand c'est pas tranquille. Ouais, on balaye. J'adore ce son quand il y a un. Moi, j'aime bien aussi ce son. Ah ouais, il est trop beau. Ça a un petit côté Zelda. Du côté Zelda. Comment on peut plus bouger, pardon? C'est quoi? En gros, ouais, ouvre les paramètres en haut. Ah, ok. Merci. Qu'est-ce que je voulais dire? À mon avis, c'était Ultia, ouais. Parce que quand... En fait, c'est là où... C'est Ultia, c'est là où je trouve que c'est un peu son défaut de jeu. C'est qu'en fait, Ultia, elle est super forte. Hop, elle est super, super forte. Mais du coup, notamment quand elle est crewmate... Mais du coup, quand elle est imposteur, elle est très forte en imposteur aussi, mais plus dans les moves que dans dans l'argumentation. Parce que du coup, quand elle est imposteur, genre là, elle s'est pas assez défendue. J'en sais rien du tout. Mais je pense vraiment que c'était une imposteur. Je pense. Parce qu'elle s'est pas trop bien défendue, un peu résignée. Un peu en mode, ouais, mais je sais pas. Zoulou que je croise ici, attention. Zoulou qui va dans Viewing Deck. Je veux juste voir s'il sort de Viewing Deck ou pas. Il sabote comme. Ça, c'est ma strat. Ok, il est là. C'est ma strat un peu. En gros, si jamais il sort pas de là, il a 20. C'est ma strat. Ce sera de tout le monde, en fait. Attends, mais il le refait. Attendez. Non, il est là, ok. Il est où, JDG? Ah, il est là. Ok. Je suis l'inspecteur, hein. Quoi? J'ai pas vu. Quoi? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe. Parce qu'en gros, ça fait genre 1 minute 30, 2 minutes que j'essaye de gérer en bas à gauche, c'est Viewing Deck, je crois. Comme ouais. Ça. Je gère ça et ouais. Vous savez, il y a une vente. Et en gros, il y a Zul, bah, tu peux confirmer que tu y es allé. Après, tu es sorti quand il y a eu com, puis tu y es revenu. Ouais. Et en gros, bah, moi, je checkais que quelqu'un ne vente pas. Et donc, je faisais des allers-retours. Zulu, t'es parti. J'ai vu des gens partir. J'ai vu JDG rentrer. Voilà, je voulais checker et tout. Et là, je vois JDG qui sort pas. Je re-rentre. Et en fait, je trouve le corps de JDG en bas. Là où, vous savez, il y a le téléphone pour charger. Ouais, tu peux me redire exactement où c'est?
tout en bas à gauche de la map. Tout en bas à gauche. Tout en bas à gauche. Je crois que c'est viewing deck ou autre chose. Et la vent, elle. Et la vent, elle est dans cet endroit-là à gauche. C'est-à-dire que moi, elle connecte avec quoi? Et ben ça, je sais pas par contre. J'ai vu un truc bizarre en rapport avec Xari. Xari était aux caméras alors que les coms étaient sabotés. On peut pas regarder les cams au moment où les kills. Exactement, j'étais en train de rager tout le temps, d'ailleurs. J'étais en train de rager. C'est bizarre qu'il reste au cam alors que c'est clairement un écran brouillé. Je suis resté pendant 20 secondes parce que je parlais. J'étais en mode vas-y, ça dégoûte. Mm-hmm. Parce qu'en fait, je vais pas vous mentir, Non, je peux pas vous dire, Vas-y, non, mais d'accord. Non, je peux pas vous dire. Ça sort une nouvelle strat sur la nouvelle map. Ouais. Moi, je veux quand même revenir sur ta version parce que ça m'intéresse beaucoup. Bien sûr. J'ai effectivement. Écoutez, j'essaie. Dites-moi, commissaire. Je t'ai effectivement vu à cet endroit-là. Bien sûr. J'ai effectivement vu JDG entrer. Ouais. Qui est rentré avec JDG? Il y a une vente, inspecteur. C'est pour ça que je suis sûr, en fait, à 2 milliards de pourcents que c'est quelqu'un qui a vente, vu que. Ben, j'en suis sûr à 2 milliards de pourcents vu que je suis à l'entrée en train de vérifier qui rentre, qui sort. En vrai j'étais le videur, hein, vraiment de l'endroit. Mais Reguman, t'es pas rentré dans le... Non, je suis passé il est rentré en même temps. En gros, moi j'ai croisé Zulu, Reguman, JDG et moi-même autour de cet endroit-là. Donc je ne pense pas que ce soit Zulu, je pense pas que ce soit Reguman. Du coup, c'est pas JDG non plus. Il est ressorti. Reguman est sorti à la régulière, justement. Et du coup, je pense que c'est soit PA, soit Riff, c'est soit PA, soit Riff, soit Xari. Le truc, c'est qu'en vrai, j'en ai aucune idée sur les trois. Mais je suis franchement quasi sûr que c'est pas Zul, Reguman, et du coup, moi aussi. Perso, je suis resté électrical tout du long. Je faisais, vous savez, les tasks. C'est vrai que je t'ai pas vu. C'est tellement long. Bah, moi, je sais que c'est pas moi, mais après, ça n'est pas vraiment une défense. T'étais où, toi? T'étais cam, toi, Xav? Moi, je suis cam, ouais, j'étais cam, et en effet, les coms ont été sabotage, et j'étais en train de paniquer, en mode, mais c'est dégoûtant, je peux plus rien faire de moi. Moi, j'ai fait les coms avec, j'y suis allé, j'étais avec JDG à ce moment, il était dessus, je l'ai accompagné, et ensuite, je suis parti sur la droite, et là, j'étais en train de faire les serviettes à Shower. Donc, je suis pas du tout allé sur la gauche, je l'ai fait au tout début de game, moi, la gauche. Ouais, après, en vrai, la gauche, c'est quelqu'un qui est venu en 20, 100%. Du coup, bah... Ou c'est toi? Ou, ah oui, Rive, bien sûr, ou alors c'est moi, Rive, mais en vrai, non, en vrai, j'innocenterai pas des gens comme ça. Non, mais Rive, attends. J'ai pas bougé des tricots, j'ai passé mon round à faire les leviers dans les tricots, c'est trop long, c'est trop long. Là, le round était quand même long, hein, pour les leviers. Après, ah non, je te jure, si on fait confiance à Zulu, on a bien éliminé Ultia, et du coup, je pense qu'on peut se permettre de skip. Ouais, on peut skip, mais juste gardez bien un œil sur Xari, Rive, PA. Ça serait chelou que Ponce ait fait le kill quand même. Moi, je vais aller Volt là, toi. Le commissaire a pas trop parlé, ça me stresse quand il parle pas beaucoup, commissaire. Mais bon, continue. Ouais. Merci Noshi, merci beaucoup pour le prime Noshi. Je peux pas bouger, ok c'est bon. Merci beaucoup Noshi. Oh, on mène l'enquête. Pour moi j'ai un petit penchant pour PA. Voilà. Parce que c'est le dernier à avoir parlé, c'est pratique pour donner une position où tu sais qu'il y a personne et donc personne peut dire que c'est pas toi. Voilà. Je mettrai un... Ouais, je... C'est quoi ça? Quoi? Pièce émeraude? Rubis saphir? Quoi? Oui? Qu'est-ce que vous voulez que je foute avec ça? Oui, pièce émeraude, rubis saphir, oui, c'est bien. Pièce émeraude, rubis saphir, oui, j'en ai rien à foutre. Incompris, moi. J'ai rien compris du tout. Ok. Ouais, c'est peut-être une référence à Pokémon, effectivement, Maishi. Probablement. Toujours pas compris, moi. Ça me fume. Ok. Ok, il arrive. Ok, il arrive. Ok, il y a PA derrière. Passe. Rive et PA viennent de passer. Rive est parti à droite, PA est parti à gauche. Ok. Comme saboter, ça c'est un peu chiant là maintenant. J'avoue. Comme saboter avec Rive à droite. PA qui est... Ok. Ok, donc c'est... Ok. Bah, c'était PA. Bah, je suis chaud. J'espère qu'ils vont le choper. Ah, j'espère qu'ils vont choper. Je pense pas que ce soit Xari. Je pense pas que ce soit Zulu. Pour moi, c'est entre Domingo et Rive. Ok. Alors, moi, je sais que c'est pas moi et je pense pas que ce soit Zulu et je pense pas que ce soit Antoine non plus. Donc. Alors. Juste les fleurs.
Est-ce qu'on a vu quelqu'un, oui ou non, est-ce qu'on a vu quelqu'un rentrer, on l'a vu 20 PA, parce que du coup c'est PA qui a tué JDG, on l'a vu 20, non on l'a pas vu, on est d'accord. Paul pour aller faire mes quêtes au niveau de lounge, au niveau des toilettes, j'ai fini les fils électriques là-bas, et en fait j'ai croisé Ponce à Records, et en fait en redescendant j'ai trouvé son... Ah oui on a vu la 20 se refermer, oui mais on n'a pas vu qui, ok. Voir si je voyais quelqu'un, et voilà, j'ai trouvé son corps là. Main hall son... Ouais main hall son corps. Moi je sais que tu peux me dire exactement où il est. Plutôt à droite de main hall si tu veux. Je sais Rivenzy que t'as beaucoup t'es l'habitude de self-report quand t'es imposteur. Ouais c'est vrai. Pour après, le coup là, ce que je trouve chelou c'est que je suis passé par là il y a genre 30 secondes et j'ai croisé d'ailleurs je crois Antoine à l'entrée, enfin pas à Com mais juste avant. Donc j'ai fait tout ce tunnel, moi j'ai fait vraiment la ligne droite et il y avait absolument personne. Et le j'ai truc, croisé, c'est que enfin j'ai pas sens. Croisé, si j'ai croisé d'ailleurs parce que j'ai croisé à Record, il y avait Pompon quand je suis allé faire mon download tout en haut. Le donc truc c'est que je sais pertinemment que si j'étais imposteur, qu'on est 6 et qu'en faisant un kill, bah j'aurais plus qu'un seul à faire et j'ai gagné, tu vois. Enfin, en gros, c'est presque game quoi. Et du coup, bah je serais en mode. En fait, le truc c'est que Xari, je suis persuadé qu'il a passé la game au cam. Je pense que ça joue entre Riv et moi, parce que depuis tout à l'heure vous êtes à 3 et Xari il est au cam et moi je suis au cam. Moi je suis au cam, ouais. Xari il est en game. Plusieurs fois dans la game. Je suis en game inspecteur. Il a eu plusieurs occasions de me tuer, après il peut essayer de me mettre dans sa poche, tu vois, mais bon, voilà, je sais pas. Mais c'est vrai que Domingo, je t'ai vu arriver du coup à Communication. Je précise, parce que je vois plein de gens dire il a eu le bug ou t'es bloqué, PA, c'est le bug impo. C'est pas du tout un bug impo, hein, la preuve, je l'ai eu là, juste tout à l'heure. C'est pas du tout un bug impostor hein, quand on est bloqué. Que ça soit un de vous trois, donc je l'ai pas vu de la game, quoi. Alors, si, alors, très étasse que Riv. Non, j'ai tout terminé justement parce que j'ai tout fait, toutes mes tâches. En fait, je suis passé par Armory, je suis allé faire le téléphone, je suis remonté, je suis allé Electrical où j'avais fait tous mes trucs avant, et ensuite je suis remonté Records pour faire mes fils à Lounge, et ensuite je suis redescendu. Et en vrai, bah, là, j'essaie d'être le plus précis possible sur mon truc pour vous expliquer que, bah, en vrai, j'ai fini toutes mes tâches, j'étais vachement rapide, je me suis pas trop concentré sur l'enquête, c'est pour ça que je parlais pas trop. Et bah, maintenant, là, j'étais en mode, il va peut-être se passer des trucs. Et là, je suis tombé sur un corps au niveau de la range. Bah, le truc, c'est que si les trois sont safe, c'est forcément toi. Parce que, genre, vraiment, je suis passé par exactement où t'as dit. Bah, parce que, genre, je suis passé il y a. Ah, ça peut être toi aussi, du coup. Et moi, oui, mais c'est pour ça que je dis que, d'un point de vue de tout le monde, c'est entre toi et moi, puisque les autres sont safe. Mais en vrai, je pense que c'est toi, Domi, parce que t'essaies de faire le truc en mode, c'est forcément toi ou moi. Donc, moi, je pense que c'est toi. Honnêtement, je pense que c'est pas moi, du coup. Moi, je vote pour toi, mais quoi qu'il arrive, ça sera toi, puis moi, ou inversement. Oui, voilà. Vous voulez qu'on vote pour qui il faut voter PA. Moi, je skipperais, non ? Puisque s'il y a qu'un seul mec, autant ne pas. Mais les tasks, elles sont bientôt finies, non ? C'est vrai. Moi, j'ai fini les miennes. Bon, en vrai, moi, je pense qu'il manque que les miennes. Hein. Je vais pas te mentir, j'étais au cam toute la game, mais là, je vais essayer de les tracer. Ok. Quitte à voter pour moi, genre skip, c'est plus risqué, non ? Si on est sûr que c'est entre Riv et moi, si vraiment vous safez. Bah non, s'il y a un kill ensuite, ça nous fout dans la merde, en fait. Moi, je vais skip, effectivement. Ok, bah, je skip. Ok, moi, j'ai voté pour PA, du coup, en forcément, par. Très bien, moi j'ai lancé on n'a pas rien, spécialement besoin, on peut avoir des indices en plus là. Tranquille. Faudrait que je regarde le clip de. Faudrait que je regarde le clip tout à l'heure de PA. Parce que je pense qu'il a eu. Bon après je faisais le con aussi à marcher bizarrement. Mais je pense qu'il. Ouais. Je pense qu'il a eu un bête de timing. Hein. Il a eu un timing de fou, je pense, PA. Mais après je marchais comme un con aussi. Ça joue pas mal. Merci d'ailleurs Aris pour les 100 bits. Merci à Tim pour l'abonnement. Et Orzant, merci pour le 39e mois. Toujours là, putain j'avoue. Merci beaucoup. Je vais faire toutes mes tâches, il en reste pas beaucoup en vrai. Hop. C'est vrai qu'elle est grande la map. Ouais. Ah oui. Ah bah voilà. Ah c'est ça la tâche. Ok. Ok. Terminé. Je sens que je vais être full du père dessus. Sur la map, bah oui, mais c'est normal. En vrai, c'est normal qu'on soit perdu au début. Je sais pas si vous en rappelez, mais moi perso, sur les autres maps de mon gosse, moi j'étais perdu de ouf au début. Hein. J'étais vraiment, vraiment, vraiment ultra, ultra, ultra perdu. Après, bon, bah tu joues quelques games et c'est bon quoi. Merci beaucoup à Kyozabre pour le deuxième. CPA. Merci. Le mec, il a profité pendant que t'étais au cam pour kill. Oui, mais sauf que peut-être que tu ne sais pas, c'est qu'il y a une cam qui est pointée sur l'endroit où il y a les cams, en fait, PA. Aïe, bien joué, PA. Ça, c'est assez c'est terrible, effectivement. Il y a une cam qui pointe la salle des cams, en sais, fait. Mais comme il y avait 6 choix, je me suis dit, why not. Aïe. Attends, PA qui a sorti. Bien joué, cam, là, bien joué, l'expérience, il est resté sur celle-là. En même temps, il y avait genre 4 personnes dans la pièce, je me suis dit... Non, mais c'était pas smart, t'as raison, c'était très con. Je me suis dit, why not, quoi. Bien joué, coach, quand même, dans le dernier carré. Hein. Dans le dernier carré, mon frère.
Bon, du coup, la fin était quand même bien à chier, dommage. La fin était quand même décevante parce que c'était pas mal. Mais... Antoine, est-ce que t'as fait exprès en sachant qu'il allait avoir un kill de rester là Non, bah, en fait, j'avais plus de tâches à faire, du coup, je me suis dit, je vais aller au cam en fait, tout simplement. D'accord, ok. Je pensais que c'est vraiment genre, t'avais mindé le fait qu'il allait avoir un kill et du coup, t'es resté là en sachant que. Non, bah, je me suis dit, c'était possible que ça arrive, tu vois, mais je sens vraiment grande conviction, quoi. T'as eu un timing sur le kill PA sur JDG. Le timing est insane. Ah, il était propre, hein, dans la veille, pour le coup. Insane, mec. C'est-à-dire qu'en fait, on m'a envoyé un clip où en gros, on voit juste la vente à peine se refermer quand je reviens. Sachez en tout cas qu'à Medical, il y a les vitals, hein, si jamais. Ok. Ouais, c'est vrai. Et donc Ulchia, c'était bien toi, on est d'accord. Hein. Ouais, c'était moi pour cette fois, ouais. C'est la première fois d'ailleurs. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 ça fait mal. C'était moi pour cette fois. Mais tu sais que ce que t'as dit, ce que tu as dit en disant ouais tu vois la première game tu m'as accusé c'était pas moi machin, c'est en partie ce qui a fait que j'ai beaucoup douté les parties suivantes alors que c'était quand même plutôt plus ou moins obvious d'accuser des gens parce que j'étais là. Ok, tout à l'heure je me suis trompé, est-ce que je vais ruiner des games Bon après là, mec, c'est un peu le principe de ruiner des games, on s'en fout. En fait, Zul, c'est le principe sur Among Us, tu passes ta vie à ruiner des games. Ah ouais, moi j'ai ruiné beaucoup de games. Des fois plus que d'autres. Faut être persuadé parfois. Moi je ruine des games tous les 4-5 mois et déjà c'est chaud. Ah non mais toi. C'est exactement ce que je me suis dit tout à l'heure. Je me suis dit, à l'entrée de cette game, je me suis dit, ok, maintenant il faut avoir un petit peu de certitude, tu vois un truc, tu y vas, quoi. Et c'est pour ça que là, je t'ai vu, j'étais là, bon, fais chier, parce que il se peut que ce soit pas toi, mais j'étais là, bon, au bout d'un moment, faut y aller. Il faut y croire, ouais, bah oui, t'as raison. Très bien fait. Est-ce que c'est la petite dare ou quoi? Ouais, allez. Je suis chaud. Allez, petite dare. Déjà? Allez. Ça fait 3 heures qu'on parle. Je vais continuer. Ouais, comme voilà, moi j'ai 8 heures de live. De là, en vrai, je pense qu'il faut pas trop se. Ouais, déjà la terre. Pas se dégoûter. 3 heures, ouais, c'est bien. Exactement. C'est vrai qu'il faut pas se dégoûter, mais enfin bon. Bonne game. Ouais. Yo Luthi. Petit RL pour finir, je sais pas. Peut-être aller dormir quand même, histoire d'être en forme pour demain, qui est encore une énorme journée. Mais j'aurais bien fait encore une ou deux games, en vrai, j'avoue, de cette map qui est très cool en vrai. Qui est très très cool. Vraiment, je t'ai vu demander combien sur 10. La map, franchement, elle est. Je saurais pas la noter, tu vois, mais. Elle est vraiment cool, la map. Ça change, il y a des nouvelles tâches. Ça fait un peu de l'air nouveau. Après, je pense sincèrement. Elle va me tuer, non. Je pense sincèrement. Tu es une très jolie fleur. Oh, tu m'as fait j'avais peur. J'avais pas trop envie de tourner autour du coffre, putain, toi aussi. Quoi? Comment j'ai pu te faire peur? J'étais devant toi. En tout cas, ça me fait plaisir de voir que Ulka me course dans les couloirs. Et ensuite, c'est elle qui me dit que je lui fais peur, quoi. Oui, parce que t'as disparu de mon écran. Ah bon? Ouais, genre en gros t'étais sur les dossiers de gauche et après je t'ai plus vu, j'ai fait mais il est où, il me fait peur et du coup je t'ai retrouvé. Bah il a vent. Au moment où on s'est retrouvé. Non, il a pas vent. Gomar, je suis désolé, je t'ai mis au tout début, tu peux dire où était le cadavre? J'ai pas du tout parlé. Ah bah c'est parfait. Alors, bonjour à tous. J'ai trouvé le corps de Rivenzi à l'entrée de Armory, l'entrée nord. Voilà. J'ai plus personne m'a croisé. J'ai hésité à descendre un petit peu, mais je me suis dit, non, si quelqu'un me voit sur le corps, on va me reporter. Armory, va dire, oui, ouais, non, c'est pas Ultia non plus sur ce kill, à moins que ça ait été il y a très longtemps, mais on était à Records avec Ultia, donc vraiment, c'est loin. Je pense. Je suis Electrical d'ailleurs. Moi, je suis Electrical aussi, ouais. Ouais, moi aussi, je suis Electrical. Moi, je suis Electrical. Bah, let's go. Bah, moi aussi, je suis Electrical. Et bah, let's go, quoi. T'es pas en partie déjà d'être Electrical. Ah, mais j'ai croisé Bagheera, mais elle vient d'arriver. Est-ce que quelqu'un vous a rejoint super tard? JDG. Par en bas à gauche. JDG et Bagheera, les deux sont arrivés par en bas à gauche assez tard. Voilà. Non, en haut. Non, je suis arrivé par le dessus d'Electrical. Je suis arrivé par le truc en haut à gauche, ouais, c'est ça. Ouais, c'est impossible qu'en tout cas Bagheera. Ouais. JDG, je crois qu'on a spawné en même temps aussi. Soit arrivé parce que en fait j'ai spawné avec Bagheera et on s'est croisé et moi je suis allée plus loin. Donc elle a pris un espèce de raccourci, enfin un cut pour aller à Electrical. Mais non, moi j'ai fait photo parce que je suis descendue à Electrical. Oh, si, si, Bagheera est arrivée en bas à gauche à Electrical. Non, j'ai pris l'échelle. Oui, mais du coup quand t'arrives, oui, c'est ça, c'est à gauche quoi. Parce qu'après t'es obligé de descendre. Mais en haut à gauche. Ouais, après ça dépend où vous étiez dans l'électrique. Ouais, l'électrique, en vrai, soit t'arrives de médical, soit t'arrives en bas à gauche. Je viens de l'échelle. D'ailleurs, attendez, j'ai juste une question. Genre, on est d'accord, alors je sais pas si c'est CoCam, mais on est d'accord qu'on entend quand il y a une échelle qui est prise, non? Ouais, et même il y a des bruits de pas aussi maintenant. Moi, j'ai remarqué que quand on remplit les bidons, ça fait des bruits de pas aussi. Après, c'est peut-être moi qui dis n'importe quoi. Parce que moi, j'entends beaucoup de bruits d'échelle, mais je sais pas si c'est parce que je suis au CoCam. J'ai trop de musique pour entendre quoi que ce soit.
Et du coup, je me dis, il y a peut-être une info à prendre. Mais bon. Je sais pas trop. C'est trop nouvelle, peut-être quoi. Aussi que j'écoute sur YouTube ma playlist de bruit de oui, pas. Oui, c'est ça. Moi, c'est ça. Non, mais... bon, bah, bon, en vrai, on ne sait pas quoi. De toute façon, on skip, c'est le premier. Ouais, pas trop d'infos. Tu me fileras la playlist JDG. Pas d'inf. Merci. Pas d'inf, quoi. Nico. Reguman. Reguman. Bon, bah, aucune idée. Merci Mel pour le sub gift, merci beaucoup Mel. Merci Wiss, Jigs Day aussi pour l'abonnement. Merci Oscari pour le troisième mois. Monkey Dwayne pour le prime, merci à vous. Alors, cargo, je retourne avec Tricol. Je suis à côté de Bagheera. Du coup c'est pas là. Je redescends. Est-ce que Bagheera retourne aussi avec Tricol dans le sens ouais, j'ai pas fini ma quête alors que je venais d'arriver. Ça c'est le cut, ça n'a aucun rapport. Les lights sont éteints. J'en ai un à fond, ouais. J'ai déjà... Ah. Pardon. Deux. Non, ça c'est six à côté. Merde. Cinq. Trois. 4 5 6 Oh bah tiens donc. Bah tiens donc. Mais non. Tiens, Reguman. Reguman. Bah j'ai vu Ultia il y a pas longtemps. Elle sortait de... Je vous explique le pathing. Je suis passé par... J'ai vu Ultia sortir de Viewing Deck après avoir fait mon truc à Kitchen. Okay. Mon burger là. Okay. Et j'ai vu aussi Gomar sortir de Viewing Deck. Okay. Je me suis dirigé sur la droite vers Security. Ultia était déjà parti loin devant et Gomar était un peu derrière moi. Et j'arrive à Security et là je vois le cadavre de Ultia devant l'endroit où on regarde les cams. Et on le trouve en même temps avec Gomar plus ou moins. Bon. C'est ça. Okay. Mais je me demande, est-ce que t'aurais pas pu justement la... Ah bah non, c'est pas possible. Non, ouais, non. Non. Ah, Security. Oui, non, non. Alors, moi j'ai vu... J'ai vu Xari au cam, mais ouais, il venait... partait. Oui, c'est vrai, tu venais de rejoindre l'électricité. Mais vous avez fumé, alors pour... Ou c'était avant. Non, d'accord, oui, je suis passé par la room des cams. Oui, oui, c'est mais ça. Je... Oui, okay, okay. Oui, bah, c'est ce que j'ai dit, non. Ça attaque tout de non, suite, mais là. Tu m'as dit au cam, c'était assez précis, mais... en fait. Non, mais il n'y a pas de souci, gros, c'était mon c'était avis. C'était long. C'était longtemps avant que tu buzzes, donc je sais pas, c'était... Ouais, et du coup, pour moi, pour le coup, Japon, je l'ai vu deux fois de suite retourner au levier pour galérer dessus, donc je pense pas que ce soit lui. J'ai toujours pas fini. Voilà, ouais. Et ça se voyait, ouais, parce qu'en fait, t'étais déjà là avant, dans le truc électricité, coup, là. Je suis électrical aussi, depuis le début de la game, voilà. Ouais, j'ai croisé des pauvres, moi, je suis médic, moi. Je suis au truc des dossiers. Moi, je suis main hall, en train de chercher mes photos. Bon, bah voilà. Donc personne est dans le coin. Vraiment, le meurtre a eu lieu il y a genre 5 secondes avant Report. Tout le monde est dans le coin, pour le coup. Tout le monde, ouais. Oui, tout le monde. Non, bah, j'ai déjà dit qu'il était arrivé. Zoulou, il venait de me rejoindre aux photos, donc c'est vrai, Zoulou, c'est possible aussi. Pourquoi Après, quelqu'un l'aurait vu. Attends, tu peux répéter où est le kill parce que devant l'endroit où tu regardes les cams. Ah oui, c'est tout en bas. Devant les écrans, à sécurité. En tout cas, dans la zone, il y a Zoulou, Ponce, Bagheera et moi. Ouais. Mais Antoine, en venant, t'as pas croisé quelqu'un? Parce que c'est obligé de. Non, du coup, j'ai croisé personne. La personne est forcément partie vers Electrical en fait. Ouais, du coup, c'est entre. Pour moi, c'est entre Zoulou et. Y'a pas de Vence à Security? Je crois non. Pas. Non, y'en a attends, pas. Attends, c'est Zoulou. Enfin, c'est sûrement peut-être, Zoulou en fait. Peut-être. Et ou Xari, hein. Voilà, c'est entre Zoulou et Xari pour moi. Pourquoi j'avoue. Plus moi que d'autres en fait? Bah, parce que moi je dis que c'est vous deux. Moi j'ai vu que c'était pas Ponce et je sais que c'est pas moi. Du coup, pour moi, c'est un de vous deux. Moi j'ai aucune info, je vous cache pas que c'est un enfer. Alors, je pense. Bah non. Mais Ponce, toi, si t'étais électrique, t'as dû croire tout le monde. Ouais. Bah j'ai vu des gens passer, mais tu sais, c'est des trucs de passage et j'avoue que j'ai pas tout retenu parce que j'étais en mode il est où le 1, il est où le 6, il est où le. Du coup. Parce qu'après, ça peut être un kill report. Mais j'ai pas croisé Zoulou, tu vois. En fait, je connais pas assez Antoine. Non, il était avec Margot. Non, non, mais il y avait Margot qui était derrière moi en fait. C'est un youtubeur, Antoine Daniel, il a fait les What the Cut et tout. Non, mais le truc, c'est que je sais pas si. Non, Margot était derrière moi en fait. Si c'était Margot et moi, ça aurait été bizarre que je kill devant elle et que je reporte ensuite. J'aurais peut-être attendu qu'on fasse un double kill ou je ne sais mais quoi. Mais je pense justement, c'est pas Zoulou parce que quelqu'un l'aurait vu descendre à Electrical en fait. Le kill, on est d'accord, c'est devant les cams, hein, sécurité. Ouais, mais il est passé par Electrical, Zoulou. Oui, il m'a rejoint là, du coup, il a fait le chemin de sécurité Electrical. Forcément. Bah ouais. Moi je pense que je vais juste skip parce que j'en ai pas la moindre idée. Il faut que vraiment un volt sur le diamant là, j'ai pas il faut nettoyer, le frotter. Ah, OK, d'accord. Tu frottes avec la souris. Frotter les endroits sales.
Il faut frotter les endroits sains. C'est ça, Ponce. Frotter les endroits sains. C'est ça, Ponce. Bring. Ah non, je suis à l'opposé d'Electricole, je me déteste. Pourquoi j'ai fait ça? Allez, on refait tout. Nouvelle game. Nouvelle game de notre côté, c'est parti. Nouvelle game. Qu'est-ce que c'est que ça? Un coup de chiffon, ça brille. Merci René Coty pour le cinquième mois. Encore vivant celui-ci. Merci Aldorido aussi pour le subgift. Merci beaucoup. Dingue ça. C'est ouf. Vas-y, est-ce que je vais pas électricole instant histoire de terminer cette merde là? Ah non, moi les armes, encore une fois, je touche pas à ça. Je suis désolé, je ferai pas cette tâche. En tout cas, pas maintenant. En tout cas, pas comme ça. Pas après tout ce que j'ai fait. Bah. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, JDG vient de tuer Bagheera sous mes yeux, en fait. Oh non! Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, ah. Allez, ça y est, je suis absolument pas dans cette partie du vaisseau, t'allais dire, un verre. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Je suis absolument pas à côté de toi, surtout. Si, si. Bagheera était en train de mettre les serviettes en haut de Showers. Moi, je faisais le petit tableau juste à côté. Et là, JDG monte le couloir qui monte de Showers jusqu'à Records. Et il l'a tué, mais genre vraiment à côté de moi. Et il se barre à Records comme si j'étais invisible, en fait. Bah, genre, il m'a vraiment pas Mais parce que tu n'es pas à côté de moi, tu mens. D'accord, ok. Voilà, c'est tout ce que j'ai rien d'autre à dire de plus que ce que je viens de vous raconter. Bah, oui, moi, dans ce cas-là, je vote contre toi aussi. What the fuck, t'as. Et quels sont tes arguments, JDG? Qu'avancez-vous comme argument d'attaque? Je ne sais pas où est Antoine, je ne sais pas du tout où il est. D'accord, mais t'es où du coup, JDG? Là, je suis. Attends, je te dis. Ouais, vas-y. Je suis vers les toilettes. Allez, JDG, c'est voté. Quelqu'un peut confirmer qu'il était... Quelqu'un peut-être était aux toilettes, là, je sais pas. J'y suis, désolé. Non, mais je suis pas aux toilettes, je suis à côté de Record et de... Entre Record et Land. Aïe, aïe, aïe. J'étais pas aux toilettes, mais c'est pas mal, ça se défend, ça se bagarre, côté JDG. Mais je suis... Mon avis est fait. Ponce, t'en penses quoi, Ponce? C'est pas vrai. En vrai, moi, j'avoue que JDG, j'hésitais jusqu'au moment où ils disent... Alors moi... Si, ouais, je suis aux toilettes. Mais oui, j'ouvre la carte, je connais pas la game. C'est pour ça que j'ai cherché à demander. Non, mais t'aurais cherché à demander où était Antoine s'il était pas vraiment là. Enfin, tu sais, si quelqu'un avait vu Antoine. Moi, j'étais archive avec Gomar, je crois. Je me défends, le gars il me saute dessus alors que je l'ai pas croisé de la game une fois. Bah oui, mais. Gomar, tu l'as vu toi? JDG? Je sais pas, ton seul argument c'est j'ai vu JDG me tuer. Ok, bah, c'est un bon argument, il semble. C'est plutôt un bon argument. J'ai pas d'argument, t'as pas de preuve, y'a personne qui l'a vu. Bah oui, non, effectivement, mais je vais pas faire genre que je l'ai pas vu non plus. Donc bon. Non, mais en plus, mais c'est même pas genre, t'étais à l'autre bout de la pièce, genre j'étais vraiment... Après, il y a un truc aussi, après, ça fait deux fois que... Enfin, ça fait deux fois que c'est Antoine qui reporte, ça veut rien dire. Eh ben, on a les deux, hein. C'est cool, mais... là. Mais effectivement... Oui, mais pour le coup... Moi, j'étais à archive après, avec Gomar. Est-ce que tu étais au shot? Le tour d'avant, j'étais avec Antoine. Comment? Moi j'ai croisé personne. Le tour d'avant, j'étais avec Antoine. Oui, c'est vrai. Je pense pas que c'était un sacré report pour le coup. J'ai réfléchi au timing et tout, c'est pas possible que. Enfin, je sais, après, je me dis, on a le speed et tout, t'as pu aller vite, mais. Bah, tu vas aussi vite que moi, Gomar. Moi je dis juste que. Ouais, mais si le fait que tu l'aies croisé, et... que t'as été à la mission. Je maintiens ma défense, je n'ai pas croisé Antoine. Non, mais sa défense était méga vaseuse, il a même pas su se placer correctement. Oui, moi c'est pour ça que je suis dans la salle qui est avant les toilettes. Je suis entre Records et Lounge. Ouais. Non, mais c'est faux en fait. Là, tu rentrais dans Records depuis Shower en fait. Le truc, c'est que si jamais t'étais au shot, t'aurais pas sorti la carte parce que ces shots, c'est quand même facile à trouver quoi. C'est vrai. Je sais pas, je comprends pas ce que tu veux dire. Je suis bah genre quand tu t'as voulu te défendre, t'as dit attends, il faut que je regarde sur la carte. Bah oui, il faut que je regarde sur la carte. En tout cas, j'étais à cet endroit, je l'ai pas vu. Ouais. Je sais pas trop. Voter pour toi parce que t'es le moins convaincant, je dirais, mais j'en sais rien. Moi j'ai voté contre Antoine. C'est sûr, il m'accuse alors que j'ai pas croisé. J'ai pas voté. J'ai absolument pas voté. Ah bah GG hein. De toute façon, ça aurait rien changé. Ce GG là, c'est gagné. Merci pour le GG. Oh vas-y, je go là. Ah non, je peux pas bouger. Ah, vous avez vu, c'est un bug qui arrive aussi à... C'est un peu chiant, mais en vrai, c'est un bug qui arrive aussi quand on n'est pas imposteur. Je vais juste terminer ça, le petit set. C'était lequel, déjà? C'est celui-là, je crois. Ouais. Oula, le Zoul. Yes! Non, quand même. C'est une victoire, mais quand même, ça va.
Tranquille, doucement, 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 doucement. Pas non plus. Eh oh. Non, 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 non. Vous voyez, vous partez au quart de tour. Vous vous rappelez bien que la première fois que j'ai fait cette quête, j'ai fait ça, hein, regardez, on l'a refait. Je savais pas qu'on pouvait bouger le téléphone. Je suis arrivé, j'ai fait ça. Et j'étais en mode, putain, c'est long. La première fois que j'ai fait la quête. Merci Domig. Domi GK, merci pour le troisième mois. Merci beaucoup. J'ai fait ça. Je me disais, putain, c'est particulièrement long, quand même. Alors qu'en fait, c'est où? Là. Très rapide. Qu'est-ce que je fais? Ah non, des armes. C'était, mais tellement sûr, frère. J't'ai, depuis que t'es sorti de la veine comme une balle au milieu de la map, là. PA, le nettoyage et tout, j'étais Zoulou, sûr. Non, Zoulou, c'est toi. Zoulou, Zoulou, Zoulou. Mais écoute-le, Zoulou. Il est déjà mort de rire, gros. J'ai même rien à dire. Regarde, un comédien d'Elarté, frère. Je me permets juste, en gros, je suis main. Vas-y, donc je fais ma quête. Juste en bas, là, dans le petit coin, c'était un truc de fil, je crois. Je remonte main hall, d'ailleurs, je crois que je croise Gomar, et d'un coup, je vois Zoulou descendre, mais genre vraiment, tu sais, genre comme jamais, genre à une vitesse, je me dis ah, chelou, et c'est la pièce où il y a genre des balais et il y a une vente en face, je me dis ok, et je commence à voir, tu sais, je me dis bon, c'est louche, tu vois, et je vois Zoul qui fait des petits gauche-droite en mode, il était déterminé que pour, je que te pour check... Alors, que pour sortir mais c'est, de la pièce. C'est marrant que tu dis ça, PA, parce que je te checkais, parce que toi t'étais dans la salle, pas moi, tu diras moi j'étais pas dans la salle, et justement je faisais des gauche-droite en mode, on ok, salle, est-ce que non, main hall, c'est une des trois là, à côté des photos. Il y a une salle avec une vente et j'ai vu Domingo y rentrer. Et du coup, j'ai fait mine de bouger et je regardais justement s'il profitait du fait que je partais pour rentrer dedans. C'est non, mais normalement, Gomar, t'as peut-être à peu près vu sortir aussi au même timing. Mais bref, je continue. Donc, du coup, il fait ça. Je me retrouve donc dans les toilettes. Les toilettes, je le vois me suivre. Je suis en mode, ok, 100% c'est Zoulou parce que j'avais juste un doute avant. Je vais Cargo Bay. Cargo Bay, il y a la lumière qui s'éteint. Je vais pour allumer les lights. Il y a Antoine, donc Reguman, qui le fait. Et d'un coup, je vois quoi? Je vois Zoulou qui descendait vers sécurité, tu sais, qui était dans le coin. Je suis en mode, jamais de la vie, j'y vais. Merci Sloné pour le sublift. À toilette. Merci Tralus. Je me dis, j'y retourne dans 3 secondes. Pour les 10 abonnements, est-ce que Zoulou a kill? Merci beaucoup. Je reviens. Merci Mipin aussi. Zoulou, pour mais... Zoulou, merci Zoulou, à vous. Je t'ai laissé un peu parler parce que c'est la last, mais je t'ai vu sur les cams, gros. Merci pour la. Ah, okay, bon. Tu m'as vu, gros. Voilà. Ah, mais fait, t'as vraiment vu. C'est pas possible. Ah, si, je t'ai vu, gros. À quel endroit? Attends, est-ce qu'on a affaire à une masterclass de Xari et PA qui... Mais non, bah non, on savait. Parce... Bah non, bah, c'est voté, quoi. Je t'ai vu à côté de Cargo Bay, gros. Tu m'as vu à côté de Cargo Bay, mais ça veut rien dire en fait. Enfin, je veux dire, il y avait PA et effectivement Reguman qui était là. Au moment où je les croise, tout va bien. Je descends vers Cargo Bay pour aller vers Medic. Je remonte, je vois PA avec le cadavre. Forcément, il me voit, il reporte. Ensuite, il fait sa comédia dell'arte. Vous avez très bien vu qu'il était à moitié mort de rire quand il a reporte et tout. Mais je le connais, le coach. Il est souvent mort de rire, gros. Il a un humour très développé. Non, en fait, c'est vraiment le rire, quoi. Mais non, mais... Bah après, très bien joué, très bien joué, Zoulou, parce que je t'ai pas vu du tout, mais je tentais, quoi. Bah bien sûr, je veux dire... Allez, je te vote, quand même. mais gros, moi, je là, je vote en contre... en comédia dell'arte depuis... Vas-y, Goma, excuse-moi, vas-y. Bah, je vote contre toi, donc oui, j'y vais. Pourquoi? Mais parce que Domingo, il apporte trop de renseignements, il y a trop de trucs, il réfléchit pas et il sait ce qui s'est passé, tu vois. Et mais c'est vrai il apporte quoi? Il deux. Dit qu'on a fait les droites-gauche sur la salle. Mais je veux dire, bah, on était deux et tu l'as vu, et je veux dire, ça n'apporte rien. Après, bah, voilà, il dit ce qu'il a fait, forcément, il était avec Reguman. Enfin, je veux dire, dans un jeu comme ça, pour moi, c'est pas celui qui vote Gomar. Plus, qui forcément, je vote Gomar, qui c'est sûr. Oui, c'est Gomar, j'ai switch mon vote en fait. Ouais, c'est Gomar, c'est sûr. Non, mais en vrai, je rigole. Mais je sais que c'est pas toi, mais vu que Zoul était mort. Pourquoi il y a deux personnes? Qu'est-ce que vous faites? Je sais pas. Parce qu'il y a Zoul et moi. Mais moi, je rigole. Mais c'est sûr, Zoul. Le coach, il vous a baisé. Le coach, il vous a baisé. GG. Par contre, il joue jusqu'au bout. Je vais regarder ton clip, Fred, parce que apparemment, tu m'as vraiment pas vu. On peut pas lui enlever, il joue jusqu'au bout. Ça me rend fou. Regarde le clip. Vraiment bon, mec. Ah non, mais mon pauvre Zoulou, mais c'est vrai que je t'ai vu sortir de la pièce, mais t'es vraiment Zoulou. Comme une balle en mode putain, faut vite que je me casse des Zoulou. Exactement, Zahra, tu l'avais vraiment vu au cam ou c'était pas vrai? C'était non, pour que genre. J'ai rien vu du tout.
Je me disais bien si, je me disais, ouais, je suis sûr. Je l'attends pour voir ce qu'il dit. Ouais, non, mais c'était assez évident. J'étais pas sûr, quoi. J'étais pas sûr que c'était possible, mais bon, j'avais avec une seule ligne de contrainte. T'as joué jusqu'au bout et ça, c'est bon. Mais ça, c'est bon, ça. Ouais. Bon, est-ce qu'on se fait la vraie last? Allez, la golden last pour Rive. Allez, la last, la golden last. La vraie last, la vraie last, la vraie last. En vrai, je t'en voulais pas. Ah, au cas où. Let's go, petite last. Bonne chance à tous. Trop content d'une petite last. GL. Bonne chance. Une petite last en promet. Tu fais pas au début, s'il vous plaît. Merci, merci beaucoup. I'm Fluffy Neko qui a host. Merci beaucoup. Bienvenue aux 5 personnes que nous accueillons. C'est très gentil. Merci aussi à Monsieur Dodo pour le deuxième mois. Il va me tuer, Xari. Merci aussi à Bebe Baby DRD pour le 6e mois. Je galère. Et Sloné pour les 5e mois. Pour les 5 abonnements offerts, pardon. Je galère. Et surtout que je suis concentré parce que j'ai vu Xari et qui passait là. Qui est dans les chiottes? Ah, je dois faire ça? Sérieux? Ah bah génial, okay. Elle avait dit me tuer pas en plus. Fantastique. Ouais, ouais. C'est, je pense, alors moi je pense que c'est Antoine parce que les caméras étaient éteintes. Bien sûr. Attendez, je reprends juste la map parce que je me suis paumée. Ok, elle est devant les. Enfin, à l'entrée de shower, entre main hall et shower. D'accord. Voilà. Ok. Moi j'ai vu personne. C'est main hall. En vrai, vu que Ultia est morte, T1, je vous invite à aller sur son chat, à mettre des fleurs et des cœurs et ça lui fera plaisir. Juste vous arrivez sur son chat, vous dites t'es la boss avec des cœurs, t'es la boss avec des cœurs et tout. Je pense en vrai ça lui fera plaisir. Sur ce genre de moment de last et tout, ça peut faire mal. Et du coup je disais merci beaucoup Sloné pour les 5 abonnements offerts sur la chaîne, c'est hyper gentil. Merci Sloné. Merci beaucoup. Vous pouvez faire ça. Vers les chiottes. Allô. Non, ouais. Je suis pas. Ouais, allô. Ouais. Allô. Ouais. Non, allô. Pardon, c'est de quoi voir. Ça fonctionne. Ouais. Moi je pense que c'est Ponce parce que c'est un peu bizarre ce genre de truc. Mais bon. Alors moi je peux vous dire la tâche que j'ai fait, j'ai débouché de la merde, je sais pas qui a chié, mais clairement il y avait les chiottes blindées et je les ai juste enlevées. Et d'ailleurs Zoulouche, tu m'as croisé, j'étais dans les chiottes en train de. Voilà. Et tu m'as croisé sortir des chiottes. Voilà. Moi je lui dis exactement. Il dit vrai. Voilà. Il dit vrai. Moi j'ai juste débouché des chiottes. C'est tout neuf parce que moi je suis passé par là. Je suis allée vider la poubelle à côté de dans une petite chambre de l'allée principale et je suis revenue et je pense que c'était pendant les lights et Ulti a été tué. Mais c'était vraiment. Moi je suis en train de regarder là les symboles des gens qui parlent et je vois que le symbole de Gomard ne s'est pas allumé une seule fois et que quand c'est ça en général c'est de la coupable. Non mais bah, je vous laisse parler. Je vous souhaite une bonne nuit. Bisous, ciao, ciao. Ça se comprend. Oui. Depuis le début, la game n'est pas dingue. Gomard, tu coupes tout le temps la parole quand c'est toi qui est innocente. Et là, tu ne le fais pas. Qui ça, moi? En vrai, moi je la safe, Gomard. Tu es un poli, Gomard. La parole quand je suis innocente, quand je suis innocente et que vous parlez, j'ai rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'ai spawné à main hall, il me semble. J'ai spawné avec Bagheera et quelqu'un d'autre, si j'ai pas de bêtises. Ouais. Bah écoutez, j'ai pris le couloir d'en bas. J'étais jusqu'à. J'étais ferme, mais. En vrai, vous en faites pas la parage kit. C'est vrai qu'en général, quand tu meurs tour 1 de la dernière game, souvent ils partent. En vrai, ça arrive souvent. Hein. Antoine, il le fait, PA, il le fait. Enfin, souvent, même JDG, il le fait. Quand tu meurs T1 de la dernière game, t'es en mode. Bah, je vais vous laisser. Ah ouais, moi j'ai eu que de la salade des oignons. Des fois, il y a double steak. Et Domingo peut confirmer que j'ai fait mes fils. Rivenzi peut confirmer que j'ai fait mon burger. Elle était là. Je suis en train de faire mon burger. Gomard, je ne peux pas confirmer ce que tu dis. Bravo. Non, moi je parlais pas vraiment pour pas vous couper la parole en fait, parce que vous parliez. Donc c'est celle qui porte de la part de Bagheera, quoi, on est d'accord, c'est ça? Voilà, c'est ça. J'ai pas grand chose à dire. J'ai paniqué vu qu'il y avait personne autour. En plus, j'ai attendu un moment de voir si je voyais du monde, mais enfin, je suis allé voir un peu plus loin, mais il y avait son père. Grosse pastille pas sur Bagheera, du coup. Bah non, mais oui, moi non ça, plus, je t'ai pas vu gros. Qu'est-ce que tu fais? Non, parce que t'as vu Pompon, mais. Ouais, mais j'étais au tout début du round. T'as mis une JDG. D'accord. Quoi? J'ai rien suivi au débat, ça. Bah oui, c'est parfait. C'est bon, parfait. Oh là là, qui est-ce? J'ai rien suivi au débat. Qui est le malandrin? Qui a qui? Pas moi. Ça peut passer, ça? J'ai absolument pas écouté. Mais est-ce que c'est grave? Pas du tout, ce qui est important c'est les derniers rounds. Pas du tout. Pièce. Diam, deo. Oh oh, pardon. Tiens. Oula, JDG qui fait des allers-retours. Oula, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une dinguerie. Pas du tout.
Énorme. Il a eu peur, hein, en vrai. Qu'est-ce qu'il fait, Il court partout, il sait pas. Il est tout fou. Hop là. Merci beaucoup à Valentin Fèvre pour le prime et merci aussi à Nat McFleury 53 pour l'abonnement. Merci à vous. Thank you. Il y a des fleurs de l'ombre qui se réveillent dans le chat, bah what the fuck. Fleurs de l'ombre qui se réveille à minuit moins le quart, qu'est-ce qui se passe? Ah oui d'accord, ça se réveille vraiment, oui. Ah oui d'accord, oula. La modération, non je déconne. Ah oui non, d'accord, ça se réveille. Oula. C'est pas GG Nicomar, bravo le duel. Je suis à Cargo Bay pour faire le code à Cargo Bay, ouais. Cargo Bay, c'est où ça? C'est à droite, Cargo à droite, Bay. À droite. Et t'y allais comment à Cargo Bay? T'es passé par où? J'ai pris quelle vente en fait, en gros, Ivanzi? Ah ok, ouais, ok. Alors effectivement, j'ai pris la vente qui partait de Shower, pas du tout. En gros, je suis passé par Gap Room, Record, j'ai fait Lounge, j'avais des quêtes à Cargo Bay et ensuite je suis allé. Attends, mais t'es passé par Record il y a combien de temps? Oh, il y a un moment. Ah oui, d'accord, parce que j'y suis et je t'ai absolument pas vu. Oui, non, moi, je t'ai pas vu à Cargo Bay sur les cams, donc je suppose que t'es passé par le dessus. En fait, je suis au-dessus et en fait, je fais le petit truc, les codes de diamant là. Voilà. Et c'est quoi le code diamant? Ça tremble quand même la voix, non? Non, arrête. Non, je déconne, non. C'est une vanne. Ça tremble la voix, moi, je dis. C'est bon. Non, en vrai, pour moi, c'est Rive, c'est quasi sûr, quoi. Moi, je pense aussi. Oh là, je vous jure, j'ai envie de manger le bouchon. Vous êtes vraiment certain que c'est Rive? Non, ouais, pas du tout. Ah oui, c'est vrai, je le disais aussi. Zoulou, ouais, il est où le corps là? Mais pourquoi tu penses que c'est vraiment lui, Bagarre? Parce que, je sais pas, son explication, ça tremblotait, c'était le stress, et alors que. Mais ça c'est vraiment rien. Genre, non, je fais non, la blague et ensuite je la désamorce. Ah si, moi, je tremblais trop. Non, oui, je suis mentaliste. T'es mentaliste, mais moi, c'est un meilleur gros. Non, bah, vous verrez bien à la fin. Vous verrez bien qu'il avait raison à la fin. Ok. Et du coup, il est où le corps en fait? Il est en dessous de Main Hall, juste devant l'échelle, quoi. Coin classique. Main Hall. Ah oui, au centre de la map, quoi. Bah, au centre, en bas, quoi. Ouais, et entre Electrical et Main Hall. Ah oui, au sud de la map, du coup. Ok, d'accord. J'ai rien vu, j'étais en perma, ouais. en pur cam, donc j'ai pas vu. En pure caméra. Moi, j'avais pas vu grand monde à Cargo Bay, il y avait personne. Si, moi, j'étais. Parce que toi, Xari, t'es en pure cam. On va se faire beaucoup, Rivenzy, là. Non, mais pour le coup, j'ai checké un peu meeting room et tout, j'ai checké moi-même. Des fois, je suis sur les cams, je me mets sur moi-même pour voir s'il n'y a pas un mec qui me baise. Moi, je suis dans le recoin de Cargo Bay sur la quête de l'enfer. J'ai fait la quête de la cassette de mort aussi. Mais j'ai pas vu, en tout cas, Cargo Bay, j'ai checké pas mal de fois sur les cams et j'ai jamais vu Rivenzy. Moi, je confirme, moi, j'étais à Kilton à la base, je suis passé vite fait par Security et là, j'ai vu effectivement Xari au cam, donc je confirme sa position. Et ensuite, j'ai croisé personne, en fait, jusqu'à Records. Et j'ai même pas vu. Rivenzy qui dit être passé par là d'ailleurs. Ça fait un moment que je te disais. Oui, il y a un moment, mais bon, je viens pas d'y arriver non plus quoi. Mais donc, mais après, y a moi, Xari. Il vient 2 minutes quoi. Enfin, tu vois, genre, enfin, 1 minute et à Cargo Bay, tu vois, pour le coup. Il y a Xari et Reguman qui sont du coup proches techniquement d'Electrical là où j'ai trouvé le corps quoi. Ah non, enfin, moi qui... je suis à Records, c'est pas proche du tout d'Electrical. Oui, c'est pas proche, mais. Ah non, moi je du coup, suis. T'es passé sur cette ah, moi, oui, quoi. Je suis proche techniquement, oui, techniquement, je suis proche. Après, il y avait au tout début du round aussi, il y avait PA qui était. Bon, après, c'était il y a très longtemps, mais. Au tout début du round, il y avait PA qui était au camion. Alors PA, ouais, moi, j'ai croisé vu, Zul. Mais au tout début du round, je l'ai vu vers Medical, quoi. Ah, frère, depuis, je suis à Cargo Bay, je suis sur la quête. Venez, on est 7, on skip ça. Ouais, juste, ouais. On n'oublie pas que Xari était vers le corps. Voilà. Ouais, après, je suis pas j'ai pas que des Rive et Régul. T'as fait des quêtes, Xav, quand même? Oui, apparemment. Non, toujours. Et tu joues ou pas? Je suis en cam, moi, je suis en inspecteur. Il est en full cam, les gars. J'adore les cams. Merci, El Slipo, pour le 11e mois. Merci. Chesnel pour le 4e mois et Monsteros pour les 100 bits. Merci à vous. Je suis bien là, un peu affalé comme ça là. C'est bon ça, à se détruire le dos. Ça régale en vrai. Tu es une très jolie fleur. Bisous, bonne nuit, change rien surtout. Merci Gibbs pour le 5e mois, c'est gentil. Je vais essayer d'en changer hein. Enfin si, peut-être ma position quand même à un moment parce que... Là quand même c'est très 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 très... Mais là je vais...
Là, j'ai trop peur. C'est l'endroit le plus isolé de la Terre, c'est infâme. Bagheera, ne me tue pas. Bagheera, ne me tue pas. C'est quoi ces traces de pas? Bagheera, ne me... Oh bah. Ok. Ok, bah du coup... Tu venais d'où, pense? C'est Bagheera qui me parle? Oui, t'es arrivé après moi. Il n'y avait pas du tout de corps, on est d'accord. T'es sérieuse? Peut-être pas très observatrice. Non, non, si, j'étais avant toi, tu es arrivé pendant que je finissais, et je t'ai attendu que tu finisses, et on est sortis ensemble. Ok, ok. Donc c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt du coup toi qui... Ok, ok. Bah y avait, du coup, je te dis, il n'y avait pas de corps quand je suis arrivé. Mais je te crois, en vrai, je te crois, mais... Et ben voilà. J'ai vu Bagheera au tout début vers les douches. Et après, je suis pas moi, de toute façon, j'ai spawn juste pour aller au cam. Je suis allé au cam. Attends, où est le cadavre exactement com. Il est à la sortie de. Enfin, à Kitchen, entrée Kitchen. Ouais. Par la gauche. Et ça vient d'arriver, tu penses, tu dis? C'est arrivé dans les 30 dernières secondes, c'est sûr et certain. Parce que moi, je. Ouais. Ouais, allez, 20 dernières secondes peut-être. Ouais, voilà. Je viens de. Je crois que c'était à Main. Merde, comment c'est Main Hall, ouais, on s'est croisé. Je viens de croiser Rivenzi, effectivement, oui, qui venait de Engine Room, et moi je venais de Showers. Alors, je venais pas de Engine Room, je venais de Electrical et j'avais pris la. J'avais oui, t'avais pris l'échelle, ok, parce que moi, on s'est croisé entre Showers et Main Exactement, Hall. Exactement, je faisais mes quêtes là. En fait, je finissais ma quête cargo et du coup, j'ai repassé Electrical et j'allais terminer ma quête Shower. Voilà. Ok. Tout simplement. Et donc, je ne suis pas allé Kitchen. Là, il reste deux imposteurs. Ouais, là, en vrai, on n'a pas trop le choix de voter, je pense. Moi, je pense que c'est pas Xari. Je pense que c'est pas moi parce que je suis encore à Cargo Bay. Pour le coup, sur celui-là, c'est pas Ponce. Okay. Moi, je pense que c'est pas. Moi, je pense que c'est justement pas Riff, pas Bagheera, pas moi. Pour moi, ça se joue entre Xari, Reguman. Non, je pense pas que ce soit Riff. Mais je parle. Là, je parle. J'ai des gros doutes sur Rivenzi aussi. Hein. Moi, pourquoi en vrai, je joue pas comme ça. Le round d'avant, plus là, le fait que je te croise, tu viens d'Electrical. Rien ne me prouve que tu venais de la droite. T'aurais pu passer par Kitchen puis par Security et Electrical pour revenir à Vermin Hall. En vrai, j'avoue que ça peut être bizarre, mais je t'assure que vraiment, je. Attends, t'es passé Electrical quand Rivenzi là? Bah à l'instant, je viens de le croire. Enfin, moi je suis passé, enfin en gros j'étais cam comme d'hab, et en fait à un moment il y a les coms qui sont coupés donc j'avais plus les cams, je suis repassé par Electrical pour aller à com. Non, et bah quand les cams se sont coupés, je venais de prendre l'échelle pour monter et en fait j'ai croisé à ce moment-là Antoine. Xari, soit le timing est bizarre, soit. Ouais. Xari, t'as passé quasiment toute ta game au cam? Ouais, je peux passer presque tout. Okay. Ouais, j'ai juste fait cassette comme quête. Du coup, pourquoi en ayant passé autant de temps au cam, t'as absolument jamais rien vu, rien dit? Ah mais quoi, mais bien sûr que si. Hein. Ça veut pas dire grand chose non plus, ça pense. Hein. Il y a plein de games où t'es au cam. J'ai vu le round d'avant, j'ai vu Domingo qui était à Cargo Bay par exemple. Après moi je reste pas Domingo, mal sur un seul truc. Cargo Bay moi. Ouais, Cargo Bay, mais t'étais là-bas. Après pourquoi est-ce que ça pourrait pas être Xari? Pourquoi est-ce qu'on soupçonne pas Xari qui aurait été cam? Bah si. Et qui aurait. C'est ce que je dis. Bah, Xari, le truc c'est que au round d'avant, je confirme le fait qu'il était au cam, mais ça veut pas dire effectivement qu'il est full innocent. Et puis il y a que toi qui est innocent finalement et qui nous dit. De toute façon, il y en a deux qui sont. Il y en a deux, mais après pour moi le plus suspect ça reste toi, Riv. Non. Pas te mentir. Non. Pour moi c'est Riv, Xari ou Reguman. Non. Et pas PA ni Ponce. Je pense que c'est Xari. Bah dans ce cas-là, si on regroupe tous, c'est Xari et Reguman, vu que les suspects qui retombent tout le temps, c'est Xari et Reguman dans tous nos suspects. Donc je vote Xari. En fait pourquoi on m'a dit moi là d'un coup? J'ai pas compris. Ah d'accord. Non, okay. Bon bah c'est. J'ai pas voté du coup. PA a pas dit un mot en parlant. Ah non, ouais. T'as pas voté. Si, PA il a parlé. Mais pourquoi vous avez voté moi là? J'ai un Cargo Bay moi les gars. Ah bah je vais plus jamais rien vous dire moi. Je suis au cam, je vais plus jamais rien vous dire. Ah mais justement tu as rien dit. Mais gros, c'est juste que tu m'écoutes pas. Un kill et c'est loose quoi. C'est vrai que j'écoute pas beaucoup ça. Ça c'est vrai. C'est vrai que ça. Non, ça il a raison pour le coup, j'écoute pas beaucoup en vrai. Ça c'est vrai, ça. Tu vois, on peut pas lui enlever quoi. Ok, Reguman qui m'attend. À moins que Rivenzi me full brain, hein, c'est possible aussi, hein, de toute façon c'est le jeu. À moins que Rivenzi me 100% brain. Mais je sais pas, je le connais quand même bien le frérot, il joue pas de cette manière, tu vois. C'est pas son gameplay, quoi, c'est pas sa manière de procéder. C'est pas son truc. C'est pas le riff que je connais, ça. Écoutez... Merci Emeline, toujours un plaisir de suivre ta chaîne, merci. Le mec blasé. Merci, c'est super sympa. Oh
effectivement. Merde, bah, ce que j'ai pas dit le premier. Putain, Xari et Reguman. Par contre, j'ai pas été tant calme que ça les autres parties. J'étais tellement sûr de moi, je suis désolée. J'avais voté Xari, Bagheera, elle est montée à l'échelle, elle m'a vu, elle est repartie. J'ai eu trop peur. Moi, j'attendais devant le bouton, j'étais en mode. En fait, à partir du moment où tout le monde a des gens suspects, et dans ces gens suspects, il y a toujours deux personnes qui reviennent, bon, bah, il y a un moment. Non, j'ai pas compris pourquoi j'étais suspect en vrai. Bah, parce que le seul qui te save, c'est un mec suspect, c'est Antoine. Du coup, dans mon moment. Non, il y avait PA aussi. Non, il t'a sauvé une fois. Non, en fait, moi j'étais trop. Non, il t'a sauvé une fois. J'étais cargo bay, j'ai réussi à finir la quête. Donc, Et puis Antoine forçait un peu sur moi aussi, donc je sentais un peu la pression. Non, mais c'est trop bien joué, hein, GG. Bien joué. Merci pour cette soirée en tout cas. Merci beaucoup. C'était grave cool. On l'a fait la map, je la trouve sympa en vrai. C'est vrai, je suis d'accord. Elle est assez bonne, mais je pense qu'elle est plus adaptée pour 15 que pour 10, effectivement. On essaiera d'organiser un truc à plus de monde, ça pourrait être cool aussi. Effectivement. Je pense que les anciennes maps avec 12 personnes, ça va être l'enfer, mais ça peut être marrant pour le coup, avec l'impression. Ouais, mais après, tu changes un peu des trucs en mode la vision, la lenteur. Voilà, oui, ta soirée, exactement. Si tu fais que du tour 1 où tu meurs, c'est clair qu'à 15, tu. Ouais, c'est vrai qu'on est un peu longué. Tu reviens pas, quoi. Mais, j'avoue que. Et mes excuses à Lucas, bien sûr, parce que c'est moi qui l'ai tué au départ, mais en fait, je voulais pas la tuer directement, mais c'est juste que je l'ai. Il faut bien tuer. Ah, après, c'est le jeu. C'est la seule que j'ai croisée, en fait. Je l'ai croisée, et du coup, elle a pas eu de chance, c'est tout. Alors, moi, par contre, j'ai une théorie. Vu que je suis le bon pigeon, je me fais jamais kill. Je sais pas si c'est volontaire de la part des imposteurs de dire non, mais Zul, je pourrais l'utiliser T3 ou T5, quoi. Je pense que c'est ta tenue de flic qui est un peu intimidante. Un peu de ça, quoi. C'est un peu intimidant. Dès que je te vois, je te filme, quoi. Ah, mais c'est ça, c'est gentil, Xari, ça me fait plaisir. Bravo en tout cas pour toutes ces games, quoi. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir, les amis. Bisous. Ciao, ciao. Mode passe. Ouais, vas-y, j'arrive. Ouais, voilà. C'était cool en vrai. C'était très cool. La map est dispo quand en mobile? Je sais pas du tout. Alors moi, quand est-ce que la map est dispo mobile et tout, franchement, j'en ai aucune idée. C'était cool en vrai. Aldrex, merci pour le troisième mois. 3 mois de sub et donc 3 mois où je bosse beaucoup. Moins quand tu es en live. Je suis désolé. Emeline aussi qui disait toujours un plaisir de suivre ta chaîne, petit pompon. Merci beaucoup. Merci Mel aussi pour les 100 bits. Merci pour cette soirée, pompon. Vive les fleurs, on doit dominer le monde, on est les meilleurs. Non, il n'y a pas d'histoire de domination, tranquille. Mais merci Mel, c'est hyper gentil. C'était cool, hein. Le petit retour de mon gosse, moi je suis très content. Je suis très très content d'y rejouer un petit peu. Cool que ce soit une nouvelle map, du coup, des nouvelles tâches, des nouveaux repères et tout. Donc des nouveaux mythos aussi. C'est pas mal en vrai. Merci Sigmar. Merci beaucoup pour le prime. Non, franchement, rien à dire. Ça faisait longtemps. Trop cool mon pont. Ça faisait longtemps que je m'étais pas posé un long moment. Bah ça régale. Je suis très content. Très très content. Je vomis quand je suis très content. En bref. Que fais-tu maintenant? Bah je vais vous laisser. En vrai, je vais vous laisser là parce que il est minuit. Il est minuit et j'ai déjà live, je sais pas, 10h aujourd'hui, je relive demain toute la journée. Donc en vrai, je vais vous laisser là pour aller me coucher et me coucher pas trop tard parce que demain, messieurs, dames, premièrement, c'est The Witcher jusqu'à environ 17h. On essaiera de pas terminer trop tard parce que ensuite, demain soir, c'est No Man's Sky, ma découverte. Vous savez, j'ai eu une OP dessus, on m'a proposé une OP, les développeurs m'ont proposé une OP dessus, enfin les éditeurs. Que j'ai bien évidemment accepté parce que le jeu, ça fait un petit moment qu'on m'en parlait, puis même en fait c'est juste découvrir le jeu, ça régale. Donc demain soir, No Man's Sky découverte de la nouvelle extension en plus. Ça va être hyper chill, hein, je pense, demain soir. Vraiment, je vais me poser, je vais me balader, je pense que je jouerai à la manette au calme. Merci Groot, merci beaucoup pour le sub. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui finira le premier, le Covid ou Pokémon Colosseum? En vrai, je vais pas te mytho que j'aimerais bien que ce soit le Covid, hein. Je vais pas te mentir, hein. Pas te mentir. Mais bon, en tout cas, c'était très cool cette soirée. Merci infiniment d'avoir suivi. Merci pour le soutien, tous les abonnements, réabonnements, tous vos messages. Hyper, hyper sympa. C'était trop drôle cette soirée sur Among Us. On a fait une win en plus en imposteur. C'est toujours ça. No joke, c'est toujours ça en vrai. C'est super cool. Rendez-vous demain pour The Witcher si vous voulez voir The Witcher 3. Sinon, rendez-vous demain soir pour No Man's Sky si vous voulez voir No Man's Sky. Sinon, à très vite. YouTube, Instagram, Twitter. Twitter. Merci le mouton. Merci pour le sub, c'est très gentil, merci beaucoup. Gros bisous les fleurs. Passez une très 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 très